après un an d'absence, Secret Story saison 2 revient avec ses mystères, ses énigmes, ses secrets, sans oublier les fameuses buzzifications. Qui sont les candidats? Combien sont-ils? Quels secrets cachent-ils? Les réponses dans un instant. Je me trouve sur la passerelle que les candidats emprunteront pour passer peut-être 10 semaines dans cette fameuse maison. Secret Story, saison 2, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quant à moi, je rejoins mon plateau, à tout de suite. Ici la voix, souvenez-vous l'été dernier. Ça n'a pas été qu'un simple jeu. Ils étaient 15 candidats. La voix leur avait confié une mission. J'ai deux sœurs triplées. Garder leur secret. C'était une aventure humaine. C'est chelou, ça. Et ils ont fait de leur mieux pour les dissimuler. Les gens ont joué jusqu'au bout. Si je te disais que j'étais en couple dans la maison, qu'est-ce que tu me dirais? Attention, cet été, la chasse au secret reprend. La voix a choisi 15 nouveaux candidats. Que dissimulent-ils? Allez-vous découvrir leurs secrets? L'enquête commence maintenant. Chaque indice compte. Chaque piste peut mener à une révélation. Êtes-vous prêt à enquêter? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bienvenue dans Secret Story, saison 2. C'est tout pour le moment. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Secret Story, saison 2. Bienvenue sur ce tout nouveau plateau. L'aventure reprend ce soir pour vous, pour nous, mais surtout pour tous les candidats qui attendent évidemment de faire leur entrée dans la maison des secrets. Ce soir, vous allez enfin pouvoir démêler le vrai du faux, l'info de l'intox, la rumeur de la réalité. Mais avant cela, petite piqûre de rappel sur ce qu'est Secret Story. Secret Story, c'est quoi? C'est d'abord 15 candidats. Tous ont un secret. Chaque secret vaut 10 000 euros. Et dans 10 semaines, un seul remportera 150 000 euros, plus évidemment les bonus. Pour gagner cette somme, les candidats doivent faire grimper leur cagnotte grâce aux missions de la voix et surtout grâce à la fameuse... Ouh, ouh, ouh. On l'a pas entendu. Vous auriez dû reconnaître... Voilà. Voilà, la fameuse... Mélodie de l'alarme des secrets déclenchée par le buzz. Comme chaque secret vaut 10 000 euros, si un candidat découvre le secret d'un autre, il gagne 10 000 euros. En revanche, si son secret est découvert, c'est 10 000 euros de moins et donc de perdu. À chaque tentative loupée, celui qui a buzzé pour rien perd 5 000 euros. Et à ce prix-là, évidemment, tous les coups sont permis. Alors ce soir, nous vous révélerons quoi? Eh bien, bien sûr, la liste des secrets. Mais à qui appartiennent-ils? Soyez patients, vous aurez quelques éléments de réponse ce soir. S'il y a une chose qu'on ne vous a pas cachée, c'est vrai, cette année, la maison sera un personnage à part entière. Cachette, multiples facettes, elle révélera les secrets tout au long des 10 semaines. Et je peux déjà vous dire que dans la maison, tout a un sens. Alors, rien que pour vos yeux, tout de suite, voici la maison totalement évolutive aux couleurs d'Alice au pays des mystères. Regardez. Une maison, c'est un nid douillet, un home sweet home, pour se mettre à l'abri, au chaud, tranquille. Sauf quand cette maison est vivante. Bienvenue dans la maison des secrets. Oubliez vos idées préconçues sur les intérieurs, ici vous êtes dans un endroit quelque peu différent. Car la maîtresse des lieux, c'est la maison elle-même. Une hôtesse malicieuse qui a tout prévu pour accueillir ses 15 convives et leur faire vivre des aventures palpitantes pendant 2 mois. Ici, une simple promenade dans le jardin prend des allures de balade au pays enchanté. Les tables et les chaises sont des champignons magiques et la pelouse a vraiment de quoi faire tourner la tête. Pour se rafraîchir les idées, on peut toujours tenter un plongeon dans les profondeurs du grand bain. Quoique, ça peut mener plus loin qu'il n'y paraît. Pour les plus audacieux, jusqu'à une grotte cachée au fin fond des eaux. Qui osera se jeter à l'eau? Attention, il est ici un seuil qu'il ne faut franchir sous aucun prétexte, la porte interdite.
Malheur à celui qui se permettrait de déroger à cette règle pour assouvir sa curiosité. Mais la maison est particulièrement facétieuse, alors elle les a cachés derrière ses panneaux. Dommage, car c'est aussi le seul accès à la salle de bain. Alors en attendant que la voix se décide à leur montrer le chemin, les convives pourront toujours se doucher dans le jardin, en espérant que le temps sera au beau fixe. Dernière lubie de la maison, seuls 12 candidats pourront l'intégrer. 3 autres seront confinés dans une pièce à part derrière cette vitre, la Crystal Room. Ils pourront observer les autres, mais pas les rejoindre. Qui seront ces 3 invités très spéciaux de la maison? Vous le saurez dans un instant. La Crystal Room, l'une des grandes nouveautés de cette année. Et si ce soir, tous les candidats pensent rentrer dans la maison des secrets, 3 d'entre eux n'iront pas plus loin que la vitre de la Crystal Room. Et qui dit, candidat dit, secret. Alors vous avez tout entendu sur le casting et les secrets cette année. Bah, croyez-moi, hein, tout ceci est bien loin de la vérité. Voici pour vous maintenant les 3 premiers secrets qui bien sûr peuvent concerner des hommes comme des femmes. Et pour les découvrir, soyez les bienvenus dans le couloir des secrets. Bienvenue dans le couloir des secrets. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Pas pour tous. Certains entendent un jour un appel. Intercéder auprès des cieux est une mission sacrée. Tout le monde ne peut pas la relever. Alors, quel est ce secret? Alors, des voies impénétrables. L'appel qu'on ne refuse pas. Une mission, les cieux. Alors, votre avis, quel est ce secret? Si ce secret sonne spirituel, c'est normal, puisque je vous l'annonce, dans la maison se cache un prêtre anglican. Ce qui signifie que ce prêtre peut être un homme ou une femme. Alors, évidemment, quand on pense à « tu ne mentiras point », comment faire pour garder son secret sans mentir, puisque mentir est un péché, ce sera donc à surveiller de près. Pour connaître le deuxième secret de la soirée, écoutez bien ce qui suit. Certaines ont dû dormir 100 ans, d'autres allaient les réveiller. Certains se sont transformés en grenouilles, d'autres ont dû les embrasser. Tout ça pour trouver leur prince charmant ou leur princesse. Attention, un personnage de conte de fées se cache dans la maison. Mais quel est ce secret? Alors, quel est le point commun entre une pomme et un crapaud? À part, bien sûr, la reinette. Tout ça pour vous dire que le deuxième secret de ce soir est... un prince ou une princesse. Dans Secret Story, vous avez déjà vu des têtes à claques, des têtes de mules, oh là là, énormément même, des têtes de vainqueurs, mais des têtes couronnées, ce sera une grande première. Repartons dans le couloir des secrets avec de nouveaux indices. La porte s'ouvre, regardez, écoutez et pourquoi pas, prenez des notes. Voici un nouveau secret, c'est parti. Alors, des indices parlants, des indices voyants, savoir ou ne pas savoir, telle est la question. Savez-vous de quel secret il s'agit? Derrière cette porte, tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un, candidat ou candidate, aura a priori un sacré avantage, puisque dans la maison se cache un ou une médium. Alors forcément, on se pose la question, est-ce que ce candidat ou cette candidate va deviner tous les secrets? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Je n'en sais rien, puisque effectivement, moi, je ne suis pas médium. Nous avons découvert 3 secrets, mais à qui appartiennent-ils? Peut-être au premier candidat qu'on va maintenant découvrir, ce sera dans quelques instants. Avant cela, je suis content, je suis ému. Allons voir si la voix, la fameuse voix, est prête à accueillir les habitants. Bonsoir la voix, ravi de vous retrouver. Bonsoir, bon bah ça y est, Benjamin. Hein.
Ça y est, la voix, on est reparti. Est-ce que vous êtes contente, la voix ? La voix est très contente. Bon, j'espère, chère voix, que vous avez tout ramassé dans la maison, que tout est rangé, que tout est propre, que tout est classé, etc., etc., car les habitants vont arriver, chère voix. Benjamin, la voix a tout organisé. La voix aime l'ordre et la rigueur. Je vois que cette année, vous n'allez pas être plus clémente, moins stricte, je ne sais pas. La voix n'est pas là pour s'amuser. Ok, d'accord, ça va, j'ai rien dit, c'est bon. Bon, préparez-vous, le premier candidat arrive dans une minute. La voix est toujours prête, c'est tout pour le moment. Oh, j'adore la voix. La voix est prête. La voix est prête, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on découvre le premier habitant de Secret Story, saison 2, et tout ce que je peux vous dire. Écoutez bien, attention, sacré personnage, regardez. Ici la voix, bonjour, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 27 ans, j'habite en Belgique. The most important life is to be aware. Qu'entends-tu par là, Mathias? Pour moi, c'est une forme d'intelligence de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. C'est-à-dire? Je suis patron de baseball de nuit, prof de kickboxing, mannequin. Dans un futur proche, j'aimerais bien être pompier et travailler à la Croix-Rouge. La voix te trouve bien ambitieux, Mathias. J'ai une enfance très pauvre, en fait, et c'est pour ça que je cours autant après l'argent maintenant. C'est pour justement que ça n'arrive plus jamais à moi et au mien. Je crois qu'on peut dire que j'ai un petit côté justicier. Quand j'étais tout petit, on m'a volé mon vélo. J'ai pas su me défendre et ça m'a extrêmement frustré. Deux jours après, je me suis mis au kickboxing et j'ai jamais arrêté depuis 15 ans. J'ai fait beaucoup de combats et je suis vice-champion de Belgique de kickboxing. Donc tu es toujours à fond dans tout ce que tu fais, Mathias. C'est vrai. J'ai une autre passion que le kickboxing, c'est le poker. À une table de poker, si vous ne trouvez pas le pigeon de la soirée, c'est que c'est vous. Je joue toujours de manière précise et cartésienne. Je joue que de manière cartésienne, donc oui, je suis cartésien. Oui. C'est pas ça la définition, en fait. Hein. Cette analyse du jeu, je compte bien la rentabiliser dans la maison des secrets. Essayer de décrypter où est le mensonge, où est le vrai, et dans tout ça, analyser pour essayer de trouver le secret. Tu fonctionnes pareil avec les filles? J'ai un très bon feeling avec la gente féminine. Non, j'ai une théorie à propos de êtres humains, en fait. Comme tout le monde sait, la femelle papillon, en tout cas, sécrète des phéromones, en fait. Et le mâle papillon, il sait les déceler. Je soutiens que pour l'être humain, c'est la même chose. Voilà quoi. C'est ça, Mathias. Un dernier mot avant de rentrer dans la maison? I'll be back. Back, il a promis d'être back. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est here. Mathias is in Secret Story. Il est le premier à arriver. Sa voiture approche de la passerelle. Voilà Mathias. Remarquez quand même le souci du détail. Mathias est un garçon, donc il est dans une voiture bleue. Alors, cette passerelle est juste à côté de la maison qu'on a découverte. Mathias va se rapprocher doucement mais sûrement de la porte. Il sera, je vous l'ai dit, le premier à entrer dans la maison. Alors, à votre avis, qui est Mathias? Personne ne le sait. Il est peut-être prince, il est peut-être prêtre, il est peut-être médium. Ce qui est certain, c'est qu'il va être le premier à découvrir la maison. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, vous m'entendez? Allô, Mathias? Mathias, vous m'entendez? Mathias, oui, c'est Benjamin qui vous parle. Ça va, Mathias? Dis donc, Mathias, beau gosse quand même, hein? Ah ouais, beau gosse. Ah, je suis un peu jaloux, là. Vous arrivez tout droit de Belgique. Vous êtes pour la première fois acclamé par vos fans français. Premier bain de foule, premier applaudissement. Comment vous le vivez, Mathias? Je vous aime. Vive la France! Mathias, vous m'avez entendu, Mathias? Oui. Et comment vous vivez ce premier bain de foule et ce contact avec votre public, ce qui va être votre public pendant 10 semaines? Non, il a pris. Mathias, est-ce que Mathias m'entend? Oui, je t'entends. Bon, comment ça va, Mathias?
Ça va ? T'es pas trop stressé, toi ? Comment ? T'es pas trop stressé ? Non, je suis jamais stressé, moi. Ça va, alors ? J'ai une grande habitude de ce genre d'émission, mon petit Mathias. C'est bien. Bon, vous êtes le premier à rentrer dans la maison. Est-ce que ça vous angoisse ? Non, c'est cool. C'est cool ? Il n'y a pas de problème ? Qu'attendez-vous durant ces 10 semaines à venir ? Déjà de retrouver mon beau-père. De retrouver votre beau-père ? Ouais. Ah, ça, je ne le savais pas. Ça, je l'apprends. Ce n'est pas votre secret, bien sûr. Non. D'accord, donc vous n'avez plus de nouvelles de votre beau-père depuis longtemps ? Voilà, d'abord, il s'appelle Gilles Labertenière. Si quelqu'un le connaît, ben, faites-moi signe. Et ben voilà, donc le message est passé. Repassez-le clairement. Si vous nous regardez, je sais que la Belgique nous suit comme la Suisse, d'ailleurs. Donc, si vous vous appelez Gilles de... De Labertenière, eh bien contactez-nous, contactez la production et vous ferez certainement plaisir à Mathias puisqu'il vous recherche depuis longtemps. Mathias, je suis avec Sandrine. Où est Sandrine ? Bonsoir, vous avez un micro, Sandrine ? Bonsoir, Sandrine. Vous êtes sa meilleure amie, la meilleure amie de Mathias. Oui. C'est le moment, vous avez quelques secondes pour lui dire un petit mot, lui dire au revoir. Coucou, ça va ? Ah bah, elle est là, dans l'écran, à mon avis. Ok, allez. Alors, t'es prêt ? Bah ouais. Ça va bien se passer, hein ? Si, tout va bien. Bon, et j'ai également avec moi, sur le plateau, j'ai Gisèle, votre maman. Bonsoir, hey. Madame. Mmh. Hey. Bonsoir. Vous pouvez nous dire un petit mot ? C'est la seule femme au monde que je suis sûr d'aimer toute ma vie. Salut Mathias. Salut. Salut fiston. Voilà, je suis contente parce que on se trouve sur le plateau, surtout toi. Voilà, je te souhaite alors beaucoup de bonnes semaines et voilà que ça passe bien, que tu fais ton show, mais pas trop. Hein? Ah, le show n'est pas trop, Mathias. Hein? Et voilà, et que ça passe bien humainement et voilà que tu fais des amis et voilà, et je t'embrasse bien fort et une bonne soirée. Et je t'aime aussi, merci, Mathias. Merci beaucoup, Gisèle. Je crois avoir reconnu un petit accent allemand. C'est vos origines. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour dimanche, qui a une grande finale entre l'Allemagne et l'Espagne. Bonne chance à votre pays. Hein. Bonne chance. Oh, c'est bien sympathique. Merci. Allez, Mathias, l'enquête a déjà commencé dès le moment où vous mettrez un pied dans la maison. Okay. Votre secret sera évidemment en danger. Je vous laisse rejoindre la maison en vous donnant un dernier conseil. Comme dirait la voix, méfiez-vous des apparences. Allez-y. Merci. Dans quelques instants, donc, Mathias sera le premier candidat à franchir la porte de la maison des secrets. Allez-y, Mathias, je vous en prie, allez-y. La maison vous attend. Allez-y. Mathias va découvrir les lieux. Il faudrait pousser la porte. C'est comme toutes les portes du monde. Pour rentrer, on la pousse. Voilà. Voilà, Mathias se trouve donc dans le... dans le sas, l'espace intermédiaire entre la porte, évidemment, et la maison. On va le retrouver dans le sas, normalement, en connexion, le voilà. Allez-y, approchez. Bah, essayez, il est rentré dans la maison. Mathias découvre les lieux pour la première fois. Waouh. Eh ben, c'est coloré. Ah, c'est coloré, oui. Waouh. Allez, on va laisser Mathias découvrir tranquillement les lieux. Et nous allons faire la connaissance de sa future colocataire. C'est la deuxième candidate de ce soir. Un souffle de vent frais qui vient du sud. Mesdames et messieurs, voici Alice. Bonjour Alice, tu as 22 ans, tu es assistante de direction et tu es une vraie Marseillaise. Et ça pose un problème ? Non. Je suis une vraie tornade blonde, complètement déjantée, complètement faux-folle, j'ai pas froid aux yeux du tout, rien ne m'arrête. Mais n'as-tu pas peur de passer pour une blonde écervelée ? Je ne suis certainement pas une bimbo. J'estime que j'en ai suffisamment dans la tête et que j'ai suffisamment de caractère, donc pas bimbo. Pourtant Alice, tu n'hésites pas à jouer de ton physique.
Les hommes parfois sont faibles, alors je joue le charme. Je sais en profiter, ça a des atouts. Comme par exemple quand on se fait arrêter par la police. Est-ce qu'au moins tu es déjà tombée amoureuse? Je suis pas du genre à me prendre la tête avec les histoires de cœur. Je privilégie plutôt mes amis. Ça, c'est des relations qui sont pour moi sacrées et qui sont plus importantes que le reste. Je fais régulièrement, oui, des soirées entre filles. On peut dire des soirées pyjama. Tu es belle, Alice. Ah oui, je suis la plus belle. C'est vrai que c'est des soirées où on s'amuse bien. Non, arrêtez. Un soir, on s'est dit qu'on allait inventer le strip ménage. On pourrait allier le striptease en même temps qu'on passe le balai, la serpillière, le plumeau. On n'a pas encore breveté l'idée, mais ça ne saurait tarder. Mais non, mais sans déconner, je suis sûre que ça marcherait. Hein. Ouais, bon. Tu vas bientôt rentrer dans la maison des secrets. As-tu préparé une stratégie? Je suis prête à tout pour gagner. Ah bon? Tu es vraiment prête à tout, Alice? À beaucoup de choses. Et je pourrais foutre la merde par stratégie, oui. À mon avis, il n'y en aura pas deux comme moi à l'intérieur. Deux comme moi à l'intérieur, c'est pas tout à fait Paris Hilton, mais bien Marseille Hilton qu'on va accueillir dans un instant. Alice, elle aussi, est dans une voiture. Elle va se rapprocher de la passerelle que vient d'emprunter d'ailleurs Mathias. Elle sort de la voiture. Vous remarquerez que cette voiture est rose. Donc, vous avez compris, ce soir, une voiture bleue qui arrive, c'est un garçon, et une rose, c'est une fille. Voilà, Alice, salut son public, son nouveau public. Elle fait connaissance avec cette passerelle qui l'emmène et qui l'emmènera dans un instant dans la maison. Ah bah elle est bien déjà dans le rythme, Alice. Ça, c'est risqué de tendre la main parce qu'on risque de se faire embarquer dans la foule, mais c'est bien, elle est proche des gens, c'est très bien. Alice. Ah ouais, bah... C'est sûr, apparemment, deux comme elle dans la maison, c'est pas sûr, mais enfin, pourquoi pas. Et elle est bien dans le rythme déjà. Hein. Ah oui, et puis elle pose pour les photos. Ah oui, très professionnelle déjà. Bonsoir Alice. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. Bon, on a découvert votre portrait il y a un instant. Vous avez un caractère bien trempé. Comment comptez-vous vous intégrer au sein d'une maison qui devrait être remplie de forts caractères? Bah écoutez, de toute façon, je resterai moi-même et voilà, j'y serai très gentille, mais après, advienne que pourra. Hein. Advienne que pourra. Cela étant dit, dans Secret Story, les filles du Sud ont un avantage puisque les triplés venaient du Sud et ont gagné l'année dernière. Et oui, donc ça a fait un petit avantage. C'est un petit plus. Bon, est-ce que vous êtes prêts à être... Est-ce que vous êtes prêts à être une froide manipulatrice? Remontez à blanc, remontez comme un coucou, comme on dit. Exactement. Bon, je suis avec Monique, votre maman, et Priscilla, votre copine. Est-ce que vous voulez leur passer un petit message, un petit au revoir avant de rentrer dans la maison pendant, je le rappelle, 10 semaines? Oui, c'est ça. Priscilla, un petit mot. Allez-y, Priscilla. Alice, tu m'entends? Ben, tu me manques très très aussi, très très fort. Vous manquez déjà toutes les deux. On t'embrasse tous et on te souhaite bon courage et voilà, sois toi-même et tu me connais. Hein, ouais. Je te connais, je voilà. Sais. Merci Priscilla, vous êtes la meilleure amie, je rappelle d'Alice. Et merci à votre maman Monique. Allez Alice, c'est le grand moment, c'est le grand saut. Votre secret sera en danger dès que vous aurez mis les pieds dans la maison. Allez-y. Vous êtes la deuxième candidate à faire son entrée. Quelqu'un vous attend déjà à l'intérieur. On va déséquiper Alice. Et ça y est, elle pousse la porte, elle arrive dans le sas, et c'est le grand bain. Et voilà la rencontre entre Alice et Mathias. Salut. Moi c'est Mathias. Alice. Salut. C'est magnifique. Ouais, c'est coloré, hein. Ah ouais, très coloré. C'est gai. Ouais, c'est chouette. Je vais poser ma valise parce que c'est lourd. Mmh. Ouais, donc il y a beaucoup de place à l'extérieur, c'est bien. Alors c'est ici qu'on va vivre? Ouais, on dirait. Génial. J'adore la déco. C'est coloré, hein. Grave. Ouais.
Ça va? Tu es d'où, toi? Marseille. Oh, cool. Ouais. Ouais. Moi, je suis de Bruxelles. Ah, d'accord. Ok. Cool, cool. Non, mais ça j'ai, va. J'ai un peu regardé, là, mais j'ai pas trouvé où sont les chambres à coucher. On va se sentir bien, ici. Ouais, ouais. On fait un petit tour des lieux. Ah, ouais. Ça me freinait bien. Tu as l'accent du sud. Ça s'entend tant que ça? Ah, un petit peu. En fait, là... ouais, d'accord. Là, je te vois, ça, c'est la pièce... je sais plus comment ils appellent, ça. C'est le confessionnal, c'est ça? Voilà. Merci, Alice. Donc, vous êtes ici, là. La voix. Oui. Bonjour, la voix. Ici, la voix. Alice et Mathias au confessionnal. D'accord. C'est là? La porte bleue. D'accord. On y va. Première intervention de la voix. Et la connaissant un petit peu, c'est pas franchement pour leur souhaiter la bienvenue. La voix n'est pas du genre cocktail, collier de fleurs, petit four, etc. Écoutons ce que la voix a à leur dire. Alice et Mathias. Asseyez-vous en face, s'il vous plaît, Alice et Mathias. Asseyez-vous en face, s'il vous plaît, sur l'autre fauteuil. Asseyez-vous en face sur l'autre fauteuil. Alice et Mathias, asseyez-vous sur l'autre fauteuil. Là ? C'est ça ton fauteuil ? Il n'y a pas d'autre fauteuil, quoi. Donc... Voilà, asseyez-vous là, vous êtes très bien. D'accord, okay. Et maintenant, écoutez attentivement. Vous pensiez entrer dans le jeu avec chacun un secret. Oui. Mais la voix en a décidé autrement. La voix a décidé de vous confier un secret commun à protéger ensemble. Vous ne vous êtes jamais vu auparavant, et pourtant, vous devrez désormais vous comporter comme si vous étiez en couple depuis des années. Votre secret est d'être un faux couple. Pour vous aider à préserver votre secret, la voix met à votre disposition quelques objets qui vous permettront de vous inventer un passé commun. Il ne vous reste que 5 minutes pour élaborer votre stratégie avant l'arrivée de vos camarades. C'est tout pour le moment. Je sais pas, résume-moi, t'as bien deux minutes. Vu que, en fait, déjà, bon, vu qu'on n'habite pas dans la même ville ni quoi que ce soit, je pense qu'il voudrait dire qu'on s'est rencontrés sur Internet, déjà. Ah, ok. Comme moyen de rencontre, qu'on s'est rencontrés sur un chat, un site, un truc comme ça. Comme on ne se connaît pas bien non plus, il faudrait dire qu'on est ensemble depuis un petit peu, un petit moment, mais pas trop, tu vois. Genre peut-être genre six mois. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, sinon, oh là là, on pourrait dire que... Attends, je peux t'expliquer un truc, moi. En fait, c'est aussi un peu pour moi. Donc moi, je suis mannequin depuis quelques années, donc je voyage beaucoup. Donc je suis genre dans un bar aussi. Attends, comment trouver une... Internet. Ouais, Internet, je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux. Ouais. Et on a parlé ensemble. T'es venu me voir à Marseille la première fois. La voix vous rappelle que vous avez quelques objets à votre disposition pour vous aider. Ok. C'est quoi, c'est ça? Ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, ok. Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc alors ça, c'est un nounours que tu m'as offert... je sais pas, une fois quand on s'est vu, pour pas se manquer. Bon, il vous reste 4 minutes pour vous préparer et pour inventer ce fameux passé. Vous l'avez compris, la voix a décidé d'annuler les secrets d'Alice et de Mathias pour leur en donner un nouveau. On va les laisser se briefer et on viendra bien sûr les voir dans quelques instants. Leur nouveau secret est qu'ils sont en faux couple. À eux de protéger ce secret en se faisant passer pour un vrai couple. Alors bien évidemment, ils ne se sont jamais croisés de leur vie, ça promet. Ce nouveau secret se rajoute à la liste que vous connaissez déjà, je vous la répète. Je suis donc, premier secret, un prêtre anglican. Je suis prince ou princesse. Je suis médium. Et nous sommes un faux couple. C'est donc Alice et Mathias qui sont en train de se préparer dans le confessionnal. Alors, pendant qu'ils s'inventent une merveilleuse vie de couple... Nous allons découvrir le prochain candidat, qui est d'ailleurs une candidate. Regardez. Ici la voix. I've only ever dreamt of... Bonjour Alexandra. La voix, c'est que tu as 21 ans et que tu es étudiante en communication à Paris.
Mais que peux-tu dire d'autre sur toi ? Avec moi, on ne s'ennuie jamais. Je me trouve incontrôlable. Mais surtout mes amis me trouvent incontrôlable. J'adore exploser. Tous les week-ends, je sors. Je ne rentre jamais avant 6h du matin. C'est moi qui vais mettre l'ambiance dans la maison. Mal à me supporter. Dimitri ! Fiche-moi la paix. Mais bon, je sais que j'ai des côtés qui agacent, hein. J'ai un côté superficiel que j'assume totalement. J'adore la mode. Je suis passée par le style rap, rock et punk pour finalement arriver fashion. Alexandra, tu es célibataire. Pourrais-tu rencontrer l'homme de tes rêves dans Secret Story ? Au niveau des hommes, je suis vraiment très difficile. Les minés, par exemple Brad Pitt, George Clooney, ça ne m'intéresse pas. J'ai peur de m'attacher et de me faire avoir. Il y en a un peut-être qui pourrait m'intéresser, c'est Johnny Depp. Juste une dernière question. Crois-tu vraiment être capable de cacher ton secret dans le jeu ? Personne ne s'en est jamais douté et je compte bien tout faire pour que ça reste comme ça. Alors, bienvenue dans la maison des secrets. Dans quelques instants, donc, Alexandra va faire son entrée dans la maison et rencontrer notre faux couple. D'ailleurs, on va rentrer en connexion avec le confessionnal pour leur annoncer qu'il leur reste assez peu de temps maintenant pour en terminer avec leur brief et l'entrée d'Alexandra. Genre dormir dans un canapé ou à part, ça peut trouver un truc. Parce que sinon, ça serait au moins une nuit qu'on puisse placer quelque chose. Quoi. Ouais, mais il faut qu'on soit, enfin, faut qu'on essaye d'être proche, quoi. Ouais. Mais donc déjà pas dormir avec eux dans la même pièce. Ah non. On essaye de s'isoler le plus possible. Ouais, comme on est censé être un couple, on veut être ensemble, machin. Voilà, donc déjà le truc, c'est qu'on se voyait pas souvent et on a profité un peu de l'occasion pour passer du temps ensemble. Voilà. Ouais. Voilà, on apprend encore mieux se connaître parce que bon, ça fait 6 mois, mais on s'est vu une fois par mois, donc on a passé quelques jours ensemble, mais bon, on est encore au stade où on se découvre. Ok, nickel. Donc, plus que 30 secondes. Ah, okay, appelé Lily. Et voilà. Bon. On a appris chérie, okay. Machin. Non, on t'appelle Lily, c'est plus facile. voilà. Oh, bah, ça va être chaud, on va passer le premier soir. Voilà, ça, c'est ce que tu m'as offert quand tu t'es dit que si je pars avant toi, tu auras pas pu me remplacer. Attends, je crois que le sexy va se balader avec comme des. Je sais pas. Je crois qu'il faut le remettre dans la boîte, peut-être. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Vous devez maintenant quitter le confessionnal. Effectivement, il faut quitter le confessionnal puisque une nouvelle candidate va faire son entrée. Cette candidate, c'est Alexandra. Elle doit être dans une voiture, normalement. Elle doit s'approcher de la passerelle. La voilà, Alexandra. Elle va faire son entrée dans la maison. Et rencontrer, bien sûr... Mathias et Alice, qui sont partis, je ne sais pas si vous avez suivi, sur une histoire assez plausible. Ils se sont rencontrés il y a que très peu de temps, 6 mois environ, et sur Internet. Alors, est-ce qu'Alexandra va se rendre compte de la supercherie ? On le saura dans un instant. Ça y est, elle monte sur la passerelle. Petit bain de foule, avant de passer 10 semaines dans la maison. Approchez-vous, Alexandra. Est-ce que vous m'entendez, Alexandra ? Alexandra ? Oui ? Vous allez bien, Alexandra ? Bienvenue ! Bonsoir ! Bonsoir ! Dans quelques instants, vous allez faire votre entrée dans la maison. On vous a découvert avec un petit portrait. Revenez vers l'écran, Alexandra. Ah, c'est bon, okay. C'est bon, vous êtes bien. Alors, Alexandra, vous vous dites superficielle. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour garder votre secret ? Oui, tout à fait. Bon, et vous dites que vous avez toujours su garder votre secret. Que personne ne le sait. Pourquoi, c'est un secret honteux ? Non, au contraire. Justement, je ne veux pas profiter d'un traitement spécial à cause d'un secret ou que les personnes me voient autrement que je suis naturellement. Très bien. Écoutez, avant de rentrer dans la maison, j'ai sur le plateau Nenny et Loni et Claudia, pardon, oui, qui sont deux de vos amis. Dites-leur un petit mot. Dites-leur que vous les aimez très fort parce qu'il va falloir maintenant rentrer dans la maison. Vous allez trop me manquer! On compte sur toi, Alexandra, tu mets le feu! Oui! Bisous. Tu mens et tu mets le feu, ma chérie, t'es trop belle, c'est ça! Ah, allez! Merci, je vous aime! Vous allez me manquer! Allez-y, Alexandra! Rentrez dans la maison, c'est maintenant!
Il faut faire le grand saut. Allez-y. Elle dit au revoir. Elle est très bien élevée, Alexandra. Voilà, on va la déséquiper. Lui enlever ses petites oreillettes. Et Alexandra va franchir la même porte qu'Alice et que Mathias. Voilà, le sas, c'est parti. Ah, c'est un, vous découvrez le sas, on n'avait pas encore vu. Voilà, elle pousse la porte et entrée dans la maison. Rencontre donc entre Mathias et ça Alice, le faux couple. Et Alexandra, il faut pousser la porte, voilà. Oh. Bonsoir. Salut. Voilà, attention, ça va? Là, ça commence bien, j'en ai pas sûr. Salut. Ça va? Non, c'est Mathias. Alexandra. Santé, Alice. Alice. Bonsoir, Alice. Oh là là, dès que je rentre, les gamins. Non. Je te rassure, personne qui n'a rien remarqué. C'est pas grave, de toute façon, c'est drôle, alors. Ça va pas mettre un peu de drôle. Voilà. Non, c'est cool. C'est joli. Ah, ouais, c'est super joli. J'étais toute excitée, là, il y a trop de... Ouais, viens voir le jardin, prends l'air, déjà. Fais gaffe, il y a des marches, hein. Ouais. Ils ont mis des hauts talons, alors. Premier jour, est-ce qu'elle se fait une entorse? C'était pas loin. Ah, non. C'est cool. Donc, Mathias et Alice, voilà, ouais, c'est ça. Ça va être dur de retenir, je sais pas combien on va être. Ah, on va y mais arriver. Ça va être dur de retenir tous les prénoms. Si t'as faim, tu te sers, hein. C'est moi qui t'invite. Oh non, merci. On va peut-être attendre les gens, non? Ah ouais, c'est vrai. Mais non, comme ça, tu vois un peu le truc, hein, nous, déjà depuis un moment. C'est cool. Vous êtes là depuis longtemps? Ouais, depuis quoi, 20 minutes? Ouais, à peu près. Ouais. Vous avez le temps de faire un peu connaissance, alors? Non, on se connaît. Bah, on se connaît. Ah. On est ensemble, en fait. Comment? On est ensemble. Ah, d'accord. On m'avait pas prévenu de ça, alors. Ah ouais, mais... Comment expliquer, hein? Si on prévenait tout, il y aurait pas de... Elle est bonne, non? C'est la surprise. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pas propre. Ouais. Oh là là, ça commence bien. Changez-moi la piscine, là. En forme de cible, la pelouse. C'est très design. Ouais. Ouais. Ah, et donc, vous connaissez déjà? Ah ouais. Bah oui. Ah, d'accord. Bah ouais. Vous êtes un couple ou... Non, ouais. Bah. Ah, d'accord. OK. Voilà. Ouais, j'étais toute seule. Ah, bah peut-être que tu vas trouver, hein. Oh, je cherche pas, de toute façon. Tu vois, c'est facile, quand tu commences, quand t'entends tout le monde qui gueule... C'est que quelqu'un arrive à venir, ouais. Rappelons ton prénom. Allez, pour le moment, Mathias et Alice ont l'air de bien jouer le jeu. Encore qu'ils n'ont pas l'air vraiment amoureux, mais enfin, Alexandra, pour l'instant, n'a rien remarqué de louche. Mais Secret Story ne fait évidemment que commencer. Tout peut arriver et à n'importe quel moment. Et qui sait, peut-être que le premier bouleversement arrivera avec ces deux nouveaux candidats. Allez, regardez. Bonsoir. Qui es-tu derrière ta casquette? What's up? Mon nom c'est Hader. J'ai 20 ans. Je suis de Montréal et je suis un étudiant en sciences. J'avoue, j'ai un look de bad boy, mais... Si tu apprends à me connaître, tu réalises que je suis un good boy quand même. Ma musique, c'est le rap, le hip-hop. As we kick back, spit tracks, twist bats with zigzags, amazed by the way all our days would get past. Je vais toujours essayer d'avoir un message dans mes chansons, et un message constructif et positif. Mon rap, il n'est pas vraiment violent, comme moi d'ailleurs. Ma philosophie, c'est keep it G. Il faut toujours garder le positif, garder le sourire et penser que tout va bien aller finalement. Ces valeurs m'ont vraiment aidé à surmonter mon secret. Mon plus grand défaut, c'est que je réfléchis beaucoup. Je réfléchis trop. Pose trop de questions, juste tais-toi, s'il te plaît. Mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pourquoi te poses-tu autant de questions? J'aime le savoir. C'est important, les études, parce qu'il faut avoir quelque chose de garanti dans la vie. J'adore le sport. Je savais même pas que j'étais si musclé. Je fais de la musculation, du football et du hockey. J'aime beaucoup le challenge. Je suis un être vraiment compétitif. Je veux sortir du jeu gagnant. Tu as l'air bien sûr de toi. Es-tu certain que ton secret est à l'abri? Je vais vraiment tout faire pour défendre mon secret et je suis persuadé que j'irai jusqu'à la fin. Peace. 5, 4, 3, 0, yeah. Can I get more of you? Ici La Voix, candidate suivante. Salut La Voix. Bonjour Maëva, tu as 17 ans, tu viens du Blanc-Ménil et tu es étudiante en graphisme. Ouais, c'est moi Maëva, ça va? J'ai la joie de vivre et j'aime la vie. You're
Je suis positive toujours, ouais. C'est grâce à mon secret que je suis comme ça. Et pourtant, ça n'a pas toujours été facile pour toi. Mes parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Quand je suis chez mon père, je vis avec mon petit frère. Lémi, il a 13 ans. Ah oui, j'adore mon frère. C'est mon âme. Attention, on n'y touche pas. Mais quelles sont tes passions, Maëva ? Je suis quelqu'un de très ludique, j'aime bien tout ce qui est créatif, je customise mes fringues. Ma grand-mère était couturière, donc je me suis un petit peu inspirée d'elle. Merci, mamie. Moi, j'aime bien sortir de l'eau, ouais. Mais il te faut une stratégie. La stratégie, ce sera de tenter tout ce qu'il y a à tenter. Bah, je suis joueuse, donc je vais pas arrêter de buzzer. Mon secret, ouais, il est fort quand même. Je vais être crédible. J'en suis sûre. Maëva, c'est la voix qui te parle et tu dois tout lui avouer. Mon secret, c'est quand j'avais 10 ans. Tu croyais quand même pas que j'allais donner mon secret? Ça va pas, non? Il est fou celui-là. N'importe quoi. Hélène, Maëva, deux jeunes candidats, fort sympathiques, mais qui se cachent derrière ces jolis sourires? Pour Maëva, écoutez bien, vous le saurez dès ce soir. Mais pour Ryder, le mystère restera entier. Maëva et Ryder font leur entrée et leur arrivée sur le tapis rouge de Secret Story. Une voiture bleue pour Ryder, je vous l'ai dit. Une voiture rose pour Maëva. Ryder découvre le public français. Voici, juste derrière, Maëva. Alors, je vous le dis pour vous, Maëva et Heather arrivent ensemble, mais ils ne se connaissent absolument pas. Ce sont deux candidats à part entière. Maëva et Heather, vous m'entendez? Maëva et Heather, vous m'entendez? Je vous entends, oui. Bonsoir à tous les deux. Je vais commencer par les dames, c'est normal. Maëva, vous êtes là. Dans tous les cas, une des plus jeunes de la maison. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire manger toute crue? Non, pas du tout. J'ai pas peur du tout. Je suis en pleine confiance. En pleine confiance? Ouais. Bon, ça va bien se passer. Est-ce que vous avez dit bonjour à Ryder que vous venez de rencontrer un instant sur bonjour. Le tapis rouge? Enchantée. Ah, vous serrez la main. C'est... Ah, vous serrez pour la main. C'est super. C'est super chaud déjà. Hein. C'est très gentil. Bon, Ryder, vous arrivez tout droit de Montréal. Bienvenue en France. Merci beaucoup. Est-ce que votre secret valait vraiment tout ce voyage? C'est sûr, ça vaut trop la peine. Ça vaut trop la peine? Déjà, ça vaut déjà assez. Si je retourne à Montréal maintenant, c'est bon pour moi. Bon, écoutez, en tous les cas, bonne chance à tous les deux. Le public sur le plateau va vous encourager. Faites du bruit pour Ryder et Maëva! Allez, je vous laisse débuter ensemble l'aventure Secret Story. Poussez la porte qui est devant vous, la belle porte rose. Allez-y. Il y a déjà trois candidats à l'intérieur. Je vous laisse découvrir ces lieux. Vous pouvez apprécier le travail de Sophie qui enlève les oreillettes. Allez, bonne chance à vous. Ils rentrent dans le sas. La maison va donc compter maintenant 5 habitants. Là, c'est, ils sont déjà... Ah, mais je savais qu'ils étaient deux. Ça va? Bonjour. Alexandra. Ryder. À lui, il serre la main. Bon, on se serre la main. Bonsoir. Salut, c'est Mathias. Maëva. Enchanté. Ok, Alexandra. Bonjour. Alice. Salut, on se Maëva. Enchanté. Alexandra. Maëva. C'est comme ça qu'on fait à Montréal. Ouais. Ah bah, posez vos valises. La déco, voilà. Ça, c'est cool. C'est hein. Flashy, très beau. Franchement, j'aime bien. Eh ben. Tu es Canadien? Oui. Ah, cool, ça. Vous êtes un couple aussi? Non. Ok. Non. Vous êtes un couple? Quelqu'un est un couple? Bah oui, nous. Bah oui, c'est pour ça. Et comme vous nous avez vu arriver tous les deux, on pensait que vous étiez un couple aussi. Non, bah non. En fait, d'accord. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait arriver, mais bon. Ah, ouais. Oui, c'est marrant. Bon, il faut visiter. Ouais, bah ouais. Alors, le suspense. Bon. J'ai besoin de vos noms encore, j'ai déjà oublié. La porte pour les chambres? Ouais, on la chambre. Pas. Ok. J'ai besoin de vos noms encore. Alors, on va voir si elle a la même intuition que moi. Où tu penses? Alors, déjà, là, on dirait toi, il y a des portes, où tu hein, penses derrière les tableaux. Oui. Tout est caché? Tout est caché. Ah ouais, oui, mais venez, chambre, venez dans, ouais. Le, dans ouais, le jardin. On va chercher. Attention, la marche. Alors, la maison commence à se remplir. Vous avez remarqué qu'il suspecte déjà quelques cachettes et quelques secrets de la maison. Je vous rappelle que
nous connaissons pour l'instant les secrets suivants. Il y en a quatre. Le premier secret, c'est « Je suis un prêtre anglican ». Le deuxième, « Je suis prince ou princesse ». Le troisième, « Je suis médium ». Nous sommes un faux couple, ça on le connaît. Il s'agit de Alice et de Mathias. D'ailleurs, on va se connecter dans un instant avec le confessionnal pour recueillir les toutes premières impressions de ce couple flambant neuf. À l'instant, on a vu l'arrivée de Maeva et de Heider et on retrouve nos tourtereaux dans le confessionnal. Installez-vous vite dans le fauteuil. Vite. Ils ont toujours des problèmes pour trouver le fauteuil. Allez, Mathias et Alice. Oui. Alice, pardon, comment ça va? Ça va bien, merci. Ah. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, est-ce que la lune de miel se passe bien? Oh oui. Ah oui. Très rapide. Très rapide, hein, c'est ce qu'on appelle un flash rencontre. Voilà, voilà. Bon, premières impressions sur ce couple? Ouais, sympa. Sympa. Ouais. Le Canadien, il a l'air cool. Non, je parlais de votre couple à vous, hein, pas le couple avec le Canadien. Ouais, ouais. Hein, pas encore. Rapide, hein, très rapide. Hein, assez rapide, hein, oui. Bon. Mais ça va venir, on va... Dites-moi, Alice, est-ce que Mathias, c'est votre genre de garçon ou pas? Plutôt, oui. Ah, plutôt. Bah, c'est bien. C'est déjà un grand pas. Enfin, un petit pas. Oui. Hein? Et Mathias, est-ce que Alice, c'est aussi votre genre de fille? Oui, enfin, faut découvrir la beauté intérieure, comme on dit. Non, c'est très jolie fille. Merci. Bah, écoutez, bonne chance pour cette découverte de la beauté intérieure. Quelle stratégie avez-vous mis au point? Pour l'instant. Pour l'instant, survivre jusqu'à ce qu'il nous chope pas, jusqu'à la soirée. Voilà, dans un qu'on puisse au moins temps. Dormir à part, qu'on puisse discuter un peu plus, parce que là, on a vraiment dormir le temps à part. Il pose dormir, deux questions, pas loin, on grille, hein. Quoi. Non, on va essayer de jouer plutôt le rapprochement, voilà. Ouais. Vous êtes censé être en couple déjà, hein, quand même. Hein. Bah oui, non, je sais bien. Hein, ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que les habitants ont déjà quelques doutes? C'est un peu tôt, non? Non, je pense pas. Non. Franchement, je pense pas. Jusqu'ici, tout va bien, mais il pose trois questions de suite et oui. Va se contredire et voilà, c'est bon. Il faut passer à autre chose, hein. Il faut profiter de l'installation pour noyer un peu le poisson. Hein. Voilà, pour l'instant, on a bien répondu, donc tout va bien. Bon, est-ce que vous n'avez pas peur de passer plus de temps à défendre votre secret qu'à trouver ceux des autres? Peut-être au début, on va chercher à préserver notre secret, mais après, ça va aller tout seul et puis on pourra se concentrer sur le secret des autres. Bon, écoutez, bonne chance à tous les deux. En tous les cas, je peux vous dire que vous êtes, comme ça à l'image, vous êtes déjà un très joli couple. Voilà. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va maintenant découvrir un nouveau candidat. Il s'agit de Laurent. Regardez. Candidat suivant, Laurent, chanteur. Tu viens de la Seine-sur-Mer et à 39 ans, tu seras le doyen de la maison. Si je joue le plus vieux dans la maison, ça me dérange pas, non. J'assume. Avec un A majuscule. Je suis marié, je suis le papa d'une petite fille qui s'appelle Charline, qui a 7 ans et demi. Par rapport à mon secret, je profite d'un maximum de choses dans cette vie. Secret or not secret, that is affirmation. Bien, Laurent, tu as l'air d'être un sacré rigolo. J'adore faire des blagues, ouais. Ça me fait marrer. Ouais. Bah, la dernière blague que j'ai faite au téléphone, j'ai transformé le répondeur de ma femme. Et c'est un message après le bip, il vous rappellera le nom d'une pipe. C'est con. J'adore en rajouter un peu, mais c'est le côté un peu pied noir sur les bords. Oui, ma mère était pied noir, donc la vie de ma mère. Hein. Mais... Pense à moi comme je t'aime. Bon, alors, ne te marre pas. J'adore Francis Lalanne. Je le dis très sérieusement. Les 5 premiers albums de Francis Lalanne sont des pépites. Ouais. On se retrouvera. Alors, chanter, c'est ma passion, puis c'est mon métier. Je suis auteur-compositeur aussi. Je chante ce que je ressens. Il est évident qu'avec mon secret, j'ai une vision du monde un petit peu différente. C'est vrai. Tu es très intriguant, Laurent. Peux-tu en dire un peu plus sur ce secret? Alors, je pense que mon secret est assez fort, ouais, quand même. Pourquoi? Parce que c'est un secret fort. Alors, expose à la voix ta stratégie. Je te la donnerai pas. J'ai un bon secret et ça, c'est une bonne stratégie. Voici donc pour le portrait de Laurent.
Laurent, un personnage haut en couleur qui ne va pas tarder à faire son entrée dans la maison. Je vous rappelle qu'ils sont déjà 5 à l'intérieur. Laurent arrive dans sa très jolie voiture bleue, encouragé par notre public qui est à l'extérieur. Il va sortir de la voiture. Un très beau chapeau. Petit côté Blues Brothers. Voilà, il emprunte cette fameuse passerelle. Bonsoir Laurent, vous m'entendez? Ah bah là, voilà. Il a perdu ses oreillettes, mais Laurent a déjà l'air de bien s'éclater. Je vous l'ai dit, hein, c'est un personnage très haut en couleur. Benjamin, au secours! Non, non, mais je suis là. Laurent, vous inquiétez pas, je suis là. Sophie va vous remettre... Je ne t'entends pas, Benjamin. C'est normal, attends, vous n'avez pas d'oreillette. Parce que figure-toi que j'ai un petit problème d'oreille. Mais j'ai vu ça, vous avez un problème d'oreille, mais ça va s'arranger grâce à Sophie. Tu es magnifique. Mais toi aussi. Ça va? Oui, très bien. Vous êtes à quelques centimètres de l'entrée dans la maison. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous, cher Laurent? Écoutez, décontracté, comme aurait dit Garcimore, hein? Oui. Ouais. Très bien. Et vous, ça va? Mais super, moi je suis très heureux des candidats qui passent à la passerelle, qui se découvrent. Jolie cravate. C'est un vrai régal à suivre. Vous êtes extraordinaire, Benjamin. Allez-y, rentrez dans la maison, c'est maintenant, c'est le grand saut. C'est parti. Bonne chance à vous. Ciao. C'est parti pour 10 semaines pour l'an. Ah oui, il est à fond, Laurent. Coucou. Bonsoir. Attends, salut. Oh putain, la marche. Parce que moi, je me suis prise en arrivant. Ah bah oui, ça tu vois, ça va bien. Je suis Alexandra. Eh ben, je suis Laurent. Enchanté, salut. Laurent. Salut, Alice. Salut. Alors, il faut rappeler Laurent. Au pays des merveilles. J'ai déjà encore oublié. Mathias. Mathias, salut Mathias. Bonjour Laurent. Salut. Aïda. Toi, c'était le rap à côté. Oui. Le rap. On était à côté ensemble. Ah, j'ai pas entendu. C'est ça, tous les morceaux qui passaient. Ah, c'est... Ouais. J'ai pas entendu. Comment t'as réussi à avoir de la musique? Bon, alors attends, on se met de la musique. Vous avez posé votre... En fait, il voulait que je fasse un morceau. Ouais, on a mis toutes les valises. Ah, tu nous feras des morceaux? Tu chantes? Ouais, c'est bien. Je veux du rap en anglais, pas en français. Non, c'est... Mais c'est pas grave, tant mieux, parce qu'en français, parfois, c'est mieux de pas comprendre. Si c'est anglais, c'est mieux. Tu peux dire n'importe quoi, on comprendra pas. Ah non, moi, je veux. On est super contents, là. Bon, c'est bien. Moi, j'ai perdu mes oreillettes. J'ai tout perdu en sortant de la bagnole. Ah, zut. Moi, j'avais peur pour ma robe qu'elle remonte. Moi, c'est vrai, j'avais les oreilles. On cherche les chambres. Moi, j'ai rien compris, j'ai fait n'importe quoi. On cherche toutes les chambres. Il a eu le truc noir. Oui. Alors, c'est le grand suspense. Si t'as une idée, on a tous des idées, mais apparemment, on n'a pas trouvé encore. Bon. Alors, si tu vois les portes. Bon, en tout cas, moi, je vais boire un verre d'eau, quelqu'un veut un verre d'eau. Oui, c'est ce qu'on allait faire. Allez, on va laisser Laurent découvrir sa nouvelle maison, ses nouveaux camarades. Je vous rappelle qu'ils sont pour l'instant 6 et Maëva est au confessionnal. Évidemment, on va rejoindre Maëva puisque Maëva a une chose très importante à nous dire ce soir. Maëva, vous m'entendez? Oui. Bon, ça va bien, Maëva? Ça va. L'installation s'est bien passée? Très bien, oui. Maëva, vous allez nous révéler votre secret? Dans quelques instants, pas maintenant. Hein. C'est un secret... Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier, ce secret? Il est imposant, il est intrigant, il est comment? Imposant, ouais. Peut-être intrigant pour ceux qui ne me connaissent pas, mais... Bon, voilà. Écoutez, ce sera dans un instant. Je crois que votre secret est en route. Il va arriver dans une... Il va arriver, comme vous d'ailleurs, hein, dans une voiture. Okay. Ça veut dire que votre secret est une personne. Oui. Ce sera dans un instant. Qui se cache dans cette voiture? Quel est le secret de Maëva? Voici la voiture. C'est une voiture rose, c'est déjà un indice. On se retrouve dans un instant pour la première grande révélation. Juste après la pub, regardez, il y a quelques images avec des indices. Ce sera dans un instant. À tout de suite! Précédemment dans Secret Story, la Maison des Secrets a révélé quelques-unes de ses nombreuses surprises, dont la Crystal Room. Une pièce très spéciale où trois candidats seront confinés derrière une vitre à l'écart des autres. Pour Mathias et Alice, le jeu a déjà commencé. Ils ont été les premières victimes de la voix. Vous ne vous êtes jamais vus auparavant et pourtant, vous devrez désormais vous comporter
comme si vous étiez en couple depuis des années. Je pense qu'il voudrait dire qu'on s'est rencontrés sur Internet. Après avoir mis au point sa stratégie, le couple n'a eu aucun mal à berner Alexandra, Haider, Laurent et Maëva, les autres habitants de la maison. Ah, et donc vous connaissez déjà ? Ah ouais. Ah, d'accord. Ah ouais. Vous êtes un couple ou ? Ah ouais. Une partie de la liste des secrets a été révélée. Nous savons qu'un médium, un prêtre, un prince ou une princesse et un faux couple sont parmi les candidats. Et il y a quelques instants, Maëva a promis de tout dire sur son secret. Mon secret, le voici. Toutes ces révélations, c'est maintenant dans Secret Story. Secret Story, deuxième partie. Maëva est toujours au confessionnal. Elle est sur le point de nous révéler son secret. Vous l'avez compris, c'est un secret de famille qu'elle porte depuis son plus jeune âge. Un secret qui va la suivre dans la maison. Quel est-il ? Maëva, ça va ? Maëva, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bon. Est-ce que vous êtes prête à révéler votre secret, Maëva ? Oui, je suis prête. Bon, c'est la deuxième révélation de ce soir. Et c'est maintenant, on est avec le confessionnal. Je vous entends pas très fort. Là, vous m'entendez mieux ou pas ? Pas très fort. Bon, bah, je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien. Là ? Merci. Bon, le moment est arrivé. Est-ce que vous êtes prête à accueillir votre secret dans la maison ? Oui. Et à nous dire qui est ce secret ? Oui. C'est parti. Votre secret sort de la voiture. Je vous laisse le soin de tout nous révéler. Mon secret, c'est que la personne que vous voyez là, et ma maman, elle est toute belle. Oh là là. Maëva, vous pouvez nous en parler un peu plus de votre maman ? Qui s'appelle Marie-France. Marie-France, oui, qui habite dans le deuxième, à Paris, quoi. Oui. Et voilà, donc comme vous voyez, on ne se ressemble pas du tout, donc je pense que c'est un bon avantage dans la maison. Est-ce que vous appréhendez cette rencontre dans la maison des secrets ? Bah, je pense que non, parce que je vais faire comme si je la redécouvrais, quoi. Ça va être marrant. Puis en plus, elle a la pêche, donc je pense que ça va être marrant, ouais. Ça va être difficile, à votre avis, de dissimuler, de cacher ce secret ? Bon, on va essayer de faire du mieux, hein. Bon, Maëva, je vais vous laisser rejoindre la maison puisque votre maman va faire son entrée. Ok. Il va falloir donc commencer à mentir, maman, dans une poignée de secondes. Hein. Allez-y. À tout à l'heure, Maëva. Bonne chance à vous. Merci. Comme vous venez de l'apprendre, dans la maison, il y aura donc une maman et sa fille. Comment évidemment gérer la proximité, la tendresse, la complicité ? Quand on doit faire semblant de ne pas se connaître, ça va être extrêmement compliqué, surtout quand les liens qui vous unissent sont les plus puissants et les plus forts au monde. C'est tout l'enjeu de ce secret. Portrait, regardez. Mon secret, le voici. C'est ma maman. C'est vrai que la ressemblance, c'est pas frappante. On s'attend pas à ce qu'une personne de couleur ait des enfants blonds aux yeux bleus. Comme quoi, tout est possible. La relation que j'ai avec ma maman, ouais, c'est une grande complicité fusionnelle, ouais. Deux copines, quoi. On se prête les fringues. On fait la fête ensemble. C'est ma meilleure amie, hein. Ma fille, c'est ma petite blonde à moi. Ah, c'est la perfection. Pour moi aussi, c'est un exemple, c'est une force. Ça va être difficile de ne pas se faire de câlins et surtout de ne pas jouer les maîtresses d'école. L'enjeu pour nous, c'est de gagner. 24h sur 24, je suis avec elle. Les gens, ils se doutent même pas que c'est ma mère. Donc, dans la maison, je pense qu'ils vont pas penser à ça directement. Ça va être un atout dans le jeu. Ils vont penser à tous les sujets, sauf au principal, je crois. Ça y est, vous avez fait plus ample connaissance entre Marie-France et Maëva. On va retrouver la maman qui attend de rentrer dans la maison. Est-ce que vous m'entendez, Marie-France ? Bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, vous serez dans la maison des secrets avec un gros secret à défendre. Comment vous sentez-vous, Marie-France ? Très, très bien.
Pas très bien. Très très bien. Ah très très bien. Ah, oui. Ça dirais même plus. Ça va bien se passer. Vous êtes très belle Marie-France ce soir. Merci. Bon Marie-France, je suis avec Odile et Laurent, votre sœur et un ami. Oui. Juste un petit coucou et puis tout le public du studio va vous encourager. Ils sont là. Où sont-ils? Un petit coucou rapide. Allez-y. Marie, c'est moi, Odile. Oui, je te souhaite bonne chance et puis reste. C'est la famille. Reste toi-même, ce sera. Tu vas me manquer. C'est la bonne toutes phrase. Les deux, vous allez me manquer. Aussi. Bonne chance à vous, Marie-France. C'est maintenant. Merci. L'aventure commence dans une poignée de secondes. La maison vous attend. Et une certaine Maëva aussi. Attention, entrez dans la maison de Marie-France. Poussez la porte qui est juste derrière vous, la porte rose. Allez-y, Marie-France. Bonne chance. Ça y est, Marie-France entre dans le sas qui la sépare de la maison. Son entrée, c'est maintenant. Super. Attention. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Attention, ça marche. Merci. Il faudrait pas que je tombe. Alors, une petite place pour ma valise, oui. Déjà, je suppose. Qu'est-ce que c'est, là, le petit carton? Vous avez pas regardé? Non, c'est à quelqu'un, un petit carton? C'est à... Ah oui, c'est à nous. Ah, d'accord. Ah, vous avez un petit supplément? Bah, ouais, on l'a pas pu venir. Je suis bien poli, bonjour. Vous avez un... Bonsoir. Marie-France. Salut, moi, c'est Mathias. Enchanté, Mathias. Alice. Salut, Marie-France, Laurent, enchanté. Enchanté. Pardon. Ouais. Bonsoir. D'abord. Alexandra. Enchanté. Enchanté, Aïda. Je me demande combien on va être. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé. On va être 16. Attention, oui. Bah, j'ai pas été la seule. Ça marche. Merci. Merci, tu me rassures parce que pour l'instant, il y avait que moi qui était tombée. Ah bon, donc, voilà. Bah, c'est ce que j'avais un peu peur parce que. On a tendance à regarder trop devant. Ça s'est bien passé l'entrée, ouais, et tout. Pas trop de. Super. Pression, de stress, c'est terrible. Arracher les jambes aussi. Ouais, les bras et tout, les cheveux. Il faut que tu vis ici. Ouais, par contre, je voudrais un verre d'eau. Ah oui, tiens, regarde. Ça vient d'accord. Ah, mais moi, j'en ai pas pris. Là, c'est si, des faux. On est deux qui me restaient. Non, mais on est tous desséchés. Mais moi, j'arrête pas de voir. C'est le stress. Ouais. On va faire la file pour le. Ah, le stress, la chaleur surtout. Ouais, puis les gens autour. Attends, on est resté dans le. Truc. Tu veux t'en parler? Moi aussi, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un. Moi, fraîche. Je sais pas si. Pour toi, tempéré. Ouais. Tu as quel âge? J'ai 39 ans, figure-toi. Je suis un vieux, s'il te plaît. Moi, je pense que je suis la petite. Vous venez d'où, tous les deux? Moi, je suis de Marseille. Ah non. Allez, on va les laisser faire plus un peu connaissance. On sent quand même une petite tension hein, dans cette rencontre. À mon avis, il y a un peu d'appréhension. On vient donc d'apprendre un nouveau secret qui se rajoute à la liste. C'est donc « Nous sommes mère et fille ». Et on continue avec la découverte de deux nouveaux secrets. Et pour cela, on va bien sûr taper à la fameuse porte du couloir des secrets. Laissez-vous guider, regardez, profitez, prenez des notes. Au feu de l'action, certains tirs peuvent être fatals. Difficile alors de savoir si la balle est dans son camp. Car avoir du plomb dans la cervelle, ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf si vous trouvez ce secret. Alors, des tirs, du plomb dans la tête, des balles. Quel peut bien être le secret qui se cache derrière ces mots? C'est un peu inquiétant, c'est vrai. Est-ce que vous avez une idée? Non, ça vous a laissé un peu perplexe, hein. Et je comprends, puisque je vous l'annonce, écoutez bien, c'est un secret assez fort. Un des habitants de la maison vit, écoutez bien, avec une balle dans la tête. Vous avez bien entendu, un des habitants, un garçon ou une fille, vit avec un projectile, une balle d'arme à feu, logé dans sa tête. En d'autres termes, un des habitants est un grand ou une grande miraculé. Il est temps de pousser maintenant une nouvelle porte du couloir des secrets. Regardez. Un chasseur sachant chasser collectionne de nombreux trophées. Quand le chasseur est un beau garçon ou une belle demoiselle, cela s'appelle de la séduction.
Alors, les sirènes se mettent à chanter et Casanova est aux aguets. Mais quel est ce secret ? Alors là, on change totalement de registre. Ambiance plutôt chaude, même très chaude avec ce nouveau secret. De la séduction, quelques bruits suggestifs. Genre quel peut être ce secret ? Pas d'idée, hein ? Ah, pourtant, dans la maison se cache, comment dirais-je, une bête de... Bah, c'est pas une bête de foire, c'est pas une bête de cirque, encore que. C'est une bête de... sexe. Effectivement, dans la maison, écoutez bien, il y a une personne qui compte, je n'en reviens pas moi-même, 780 conquêtes à son tableau de chasse. Alors un conseil, si vous voulez la démasquer ou le démasquer, je ne sais pas, cherchez quelqu'un qui a plutôt de la forme, qui est en grande forme et qui a du souffle, à mon avis. Vous commencez à en savoir beaucoup. Vous avez eu quelques cartes en main ce soir. On vous dit tout, quasiment tout en tous les cas. On ne vous cache rien, ou presque. Voici un petit récapitulatif de la liste des secrets. Je suis prêtre anglican, je suis prince ou princesse, je suis médium. Nous sommes un faux couple. Il s'agit d'Alice et de Mathias, on le sait. Nous sommes mère et fille. Celui-là aussi, on le connaît. Il s'agit de Maëva et de Marie-France. Je vis avec une balle dans la tête. Ça, on ne sait pas qui c'est. Et enfin, j'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse. Alors peut-être que le secret du prochain candidat se cache dans la liste, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce candidat déclenche des réactions très, mais alors très étranges chez les femmes. Mais je ne suis pas certain que ce soit son secret. Voici, mesdames et messieurs, Cyril. Ici La Voix. Bonjour Cyril. D'après les informations de La Voix, tu as 21 ans et tu habites Le Mans. Mais quel genre de personne es-tu ? Le fait que j'ai pas mal voyagé, ça fait que dans tous les milieux où j'ai été, je me suis toujours super vite intégré. Des fois en une semaine, des fois en un mois, mais j'y suis toujours arrivé, vraiment. J'ai fait toute l'Asie, l'Europe en entier, l'Amérique du Sud, les États-Unis, enfin un bon paquet d'endroits. Ouais. Un gros kiff, des gros kiffs, un gros kiff. Sacré France ! Les Français ont grosse cote à l'étranger. J'ai rencontré beaucoup de filles dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. Mon secret plaît beaucoup, c'est un gros atout. Cyril, avant d'entrer dans la maison, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton secret ? Moi ? Absolument pas, j'ai pas de secret, vraiment. Demande à mes potes, ils vous le diront. Ah, c'est vrai que Cyril est ce qu'on peut appeler un beau garçon. Dans quelques instants, il fera son entrée dans la maison. Nous n'allons évidemment pas vous révéler son secret, mais afin que vous puissiez quand même mener l'enquête comme si vous étiez dans la maison et un candidat de Secret Story, voici une révélation. Écoutez bien, le secret de Cyril, il est un peu particulier quand même. Et surtout, le secret de Cyril est tatoué sur son dos. Il est tatoué sur son dos. Et non, regardez ces images, ce n'est pas le plan d'évacuation de la maison, absolument pas. Voilà le secret. Voilà. Si vous avez un magnétoscope chez vous, c'est le moment de le faire fonctionner pour enregistrer les images et peut-être découvrir un peu plus vite ce secret des chiffres. Il est peut-être, je sais pas, pris une nouvelle de maths, j'en sais rien. Et voilà. Regardez. Alors il y a plein de, il y a des lettres, il y a des chiffres. C'est, il y a des dates apparemment. Ah oui, absolument, il y a des dates. Il y a des chiffres. Ça peut fonctionner en ligne, ça peut fonctionner horizontalement, je ne sais pas. À vous de mener l'enquête. Ça y est, la voiture de Cyril est en route. Il va découvrir dans un instant son public. Et voilà, une voiture bleue évidemment pour Cyril, ça vous connaissez le principe maintenant. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Bonsoir Cyril, vous m'entendez ? Ah oui,
effectivement, on sent que bonjour. Cyril a beaucoup plu aux femmes. Bonjour. Bonsoir Cyril, ça va bien? Salut Benjamin, ça va? Bah écoute, ça va super bien. Super. On sait que vous vivez avec un ami, hein, c'est ça? Absolument. Absolument, la vie en communauté ne vous fait donc absolument pas peur? Pas du tout. Hein? Mais vivre en communauté comme ça, quand on peut pas plus sortir, c'est pas vraiment la même chose quand même. Hein. C'est vrai que c'est différent, absolument, ouais. On va essayer de s'adapter. Bon, vous êtes un peu angoissé? Un petit peu, je pense, comme tout le monde. Oui. Pas spécialement. Oui. Bon, quel sourire, oh là là. Merci. Je peux vous dire que je sais pas ce qui se passe chez les gens qui nous regardent, mais alors dans la régie, qu'est-ce que j'entends pas? La productrice, la responsable de la télé-réalité de TF1, Angela, qu'il est beau. Elles sont très sympas, celles que j'ai vues. Bon, allez, c'est le moment, Cyril. Okay. Je vais vous laisser entrer dans la maison. Ok. Je suis avec deux copains à vous, hein, Jérémy et Vincent. Ils vont vous faire un petit coucou et puis tout le plateau de Secret Story. Ouais. Un petit mot, vous lui passez un petit mot, allez-y, micro, venez de vous. Vite, ouais. Rapidement. Ouais, mon Jean-Jacques, ça va? On est là, hein? Hey, continue de te la raconter. On est là. Vas-y, ma gueule, on est là. Bidon d'essence, allumette, tu me brûles la maison. On va faire ça bien. C'est parti, j'allais. Cyril, allez-y, je vous laisse rejoindre vos nouveaux colocataires. Okay, l'enquête a déjà commencé, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez fait un arrêt sur image pour découvrir le... Attendez que Sophie vous enlève. Il est pressé d'entrer, hein? Ouh là là, quel tempérament. Il est pressé d'entrer. Et voilà, Cyril fait son entrée dans la maison. Bonjour. Maintenant. Salut. Bonjour. Bonsoir. Wow. Attention la marche. Oh. Ben voilà, t'as fait comme ça, moi. À quoi consiste l'exploit de mettre une marche pour remplir le bêtisier, hein. Il y en a déjà deux qui sont pris les pieds dedans. Alexandra et Cyril. On a entendu les cris. Pour tout le monde, je pense. Non, je te jure que toi... Je sais pas, tu dois être le chouchou déjà. Ah ouais, on te prévient d'avoir. 6-7 là, salut. Cyril. C'est magnifique. Ça manque la moitié au moins. Ah oui, visite. Waouh, la piscine est un peu crade. Vous me faites visiter ou... Ouais, tiens, regarde bien. Les valises. Attends, ma pose ta valise là-bas. Regarde, on les a posées là-bas sur la table. Merci. Ah, d'accord. Voilà, bah alors là, t'as un petit coin salon où on va pouvoir boire l'apéro. Si on nous en donne. Ouais. Absolument. Là, c'est la supérette où il va falloir qu'on fasse nos exploits. T'as raison. Là, c'est les poubelles. Thierry Sélectif, pardon, c'est sympa. Ok. Voilà. Bon, la piscine, tu vois, c'est vénère. Un peu crade, quoi. Bon. Ouais, bon, ça, de toute façon. C'est parce que le machin, il tourne pas. Marc, je suis pas allé jusque là-bas. On sait pas où sont les chambres encore. D'accord, ok. Oh, c'est super. C'est génial, quand même. Hein. C'est vraiment sympa. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je sais pas. Il va peut-être avoir un hélicoptère qui se pose, tu vois. Il arrive d'ailleurs, regarde. Je me suis dit ça, écoute. C'est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que ça risque... Je ne sais pas, ouais, non. On a fait le tour. Bon, là-bas, on n'a pas le droit d'y aller. C'est la fameuse porte interdite, je sais pas si tu en... Je suis au courant, ça, ouais, mais je suis au courant, faut pas y aller, voilà. Ne faut pas craquer, c'est pas ça, simplement. Ah, ça défonce, c'est vraiment grand. C'est super, hein, c'est génial. Voilà pour l'entrée de Cyril. Cyril ne se rend pas compte qu'il a beaucoup de chance de rentrer directement dans la maison, puisque je vous rappelle, trois candidats vont vivre ensemble dans la fameuse Crystal Room, l'une des... grosse nouveauté de cette année, sans passer par la maison totalement isolée par une vitre. Ce sera dans un instant. Vous saurez quels sont ces candidats à être directement enfermés dans cette pièce. Tout de suite, on va retrouver au confessionnal la jolie Marie-France. Complice d'un duo formidable, mère-fille. Comment ça va, Marie-France? Très bien. Bon, ces premières minutes, je vous ai senti un petit peu tendu. Vous n'osiez pas trop regarder dans les yeux autour de vous, et en particulier Maëva, non? Est-ce que je me gourge? Non. Ouais, voilà, j'ai bien senti. Hein. C'était difficile pour vous, cette rencontre? Non, pas du tout. J'étais contente. Elle était tellement belle ce soir. Vous aussi, hein? Merci. Bon, comment vous allez gérer ce stress qu'on peut ressentir là, vous concernant? Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Ce qui me dérange le plus? Oui. C'est de ne pas pouvoir lui faire des petits bisous sans arrêt. Ça, normalement, si on s'arrange bien dans la maison, on doit pouvoir y arriver. Hein. Oui, faut faire attention de ne pas se faire prendre, mais ça, vous allez pouvoir y parvenir. Généralement, c'est plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. Non, c'est n'importe quand. N'importe quand, ce ne sera pas possible, Marie-France. Oui, Marie-France, justement. On vous souhaite bon courage. Merci. Hein? Cachez bien votre secret, soyez vigilante. Ne vous trahissez pas, ce sera difficile de tenir 10 semaines. Et on vous le souhaite. Merci, ça va être. Allez, maintenant, nous allons vous révéler un nouveau secret. Ce secret appartient
à la jeune femme qui sort de la voiture. Il s'agit de Nathalie. Elle a 24 ans, elle vit en Belgique, elle aussi. Elle est heureuse et souriante. Mais alors, quel secret peut-elle bien cacher, cette Nathalie ? Vous le saurez dans quelques secondes. Mais pour le moment, on va la retrouver sur la passerelle. Nathalie, donc, qui fait son entrée. Nathalie, compatriote de Mathias, puisqu'elle vient de Belgique, je vous l'ai dit. Elle sera dans un instant. Et le public est un petit peu particulier, un petit peu tendu. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Voilà, voilà, elle a compris depuis la main. C'est toujours un peu dangereux. Bonsoir, Nathalie. Vous m'entendez, Nathalie ? Oui. Vous allez bien, Nathalie ? Super. Bon, dans quelques instants, vous allez faire votre entrée dans la maison. Oui. Alors, il y a quelques habitants qui sont déjà installés, évidemment. Hein. Bon, est-ce que tout va bien ? Super, j'ai hâte d'y être. Bon, je vais vous demander, Nathalie, quand vous allez rentrer dans la maison, d'attendre dans le sas. Oui. Hein, avant la porte de la maison, il y a un sas, vous verrez, c'est facile à reconnaître. Je vais vous demander d'attendre dedans avant d'entrer dans la maison. D'accord. Car un autre habitant de la maison va venir vous rejoindre. Et je pense que cet habitant... vous le connaissez. Oui. C'est possible. Ne dites rien, là. Jamais. Oh là là, malheureuse. Ok. À tout de suite. Rentrez dans le sas. Alors, ce que ne sait pas Nathalie, c'est que son secret va la rejoindre dans le sas. Ça, elle vient de l'apprendre. Son secret arrive avec la prochaine voiture. Mais quel est ce secret ? Qui peut bien se cacher dans cette voiture ? On va la laisser rentrer dans le sas, ça y est, allié. La voiture qui va arriver dans quelques instants, amener ce personnage sur la passerelle, est une voiture de quelle couleur d'abord ? Ça, c'est important, c'est un élément de réponse. C'est une voiture, on ne l'a pas vue encore. On ne l'a pas vue. Voilà. La voiture arrive dans quelques instants. Est-ce qu'on voit les images ? Ah, la voilà ! C'est une voiture rose, c'est un élément de réponse. Qui se cache dans cette voiture ? Quel est ce secret qui la lie à Nathalie ? Eh bien, la réponse, comme d'habitude, ce sera juste après la pub. À tout de suite ! Difficile de savoir ce que cachent les apparences. Mon secret, ça a été une révélation pour moi. En société, avec nos collègues, nos amis, nous portons tous un masque. Je ne suis pas née avec mon secret. Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière un joli minois comme celui de Nathalie ? Sans mon secret, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Vous le saurez dans quelques instants. Précédemment dans Secret Story, Mathias et Alice ont découvert leur secret. Jouer un couple aux yeux des autres alors qu'ils ne se connaissaient pas avant d'entrer dans le jeu. Vous êtes un couple, quelqu'un est un couple ? Bah oui, non. Bah oui, c'est pour ça, et comme vous nous avez vu arriver tous les deux, on pensait que vous étiez un couple aussi. Non. Donc votre secret, il est... C'est un truc commun. Maëva nous a révélé son secret. Mon secret, le voici. C'est ma maman. Nous savons également qu'un prêtre se cache dans la maison, ainsi qu'un prince ou une princesse, un médium, une personne qui vit avec une balle dans la tête et une autre qui a 780 conquêtes à son tableau de chasse. Sans oublier Cyril, dont le secret est tatoué dans le dos. Avez-vous trouvé ? Ah oui, bonjour, enchanté. Cyril. Alexandra. Salut Cyril, Laurent. Écoute, salut. Ah, dis donc Cyril, on a entendu les cris. Ouais, c'est pour tout le monde, je pense. Dans un instant, vous saurez enfin qui va rentrer dans une pièce très spéciale, la Crystal Room, et vivre à l'écart des autres candidats. Quant à Nathalie, elle ne nous a pas encore tout dit. Mon secret, ça a été une révélation pour moi. C'est la suite de Secret Story. Comme vous venez de le voir, la Crystal Room, grande nouveauté de cette année, ne va pas tarder à accueillir ses occupants. Les occupants qui, évidemment, eux, ignorent totalement ce qui les attend. Avant la pause, nous avons laissé Nathalie devant la porte de la maison. Elle est actuellement dans le sas. Elle attend un autre candidat avant d'entrer dans la maison. Elle risque d'être surprise en voyant que cet autre candidat est son secret. C'est la troisième grande révélation de la soirée. On découvre tout de suite
la jeune femme qui va sortir de la voiture, qui s'appelle Samantha. Mais qui est Samantha par rapport à Nathalie? Quel est son secret? Quel est son rapport avec notre candidate? La réponse en images. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 24 ans et voici ma femme. Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 29 ans. Quand j'ai rencontré Nathalie, au premier instant, j'ai su que c'était avec elle que j'allais passer le reste de ma vie. Ce qui nous fait rire à la maison, c'est les petits tocs de Nathalie qui va remettre le sel à côté du poivre, que ça soit bien droit. Je comprends pas certaines femmes, moi c'est un réel plaisir pour moi de nettoyer, de faire mon repassage. Enfin, j'aime ça. C'est une de mes passions. Oui, c'est une passion, mais il y a des fois, c'est un peu lourd. Je suis très, très, très jalouse. Quel genre de couple êtes-vous? On est un couple comme les autres. Nous, ce qu'on aime, c'est faire un dîner aux chandelles en amoureuse. On se regarde dans les yeux. Samantha a fait de moi une femme, ce qu'un homme n'a jamais réussi à faire. Samantha, Nathalie, comment vous sentez-vous avant d'entrer dans la maison? J'angoisse de rentrer dans la maison et de cacher notre couple. Ce sera très, 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 très dur. Les premières heures vont être abominables. Marilyn fait son entrée sur le tapis de Secret Story avant d'entrer avec Quentin dans la maison des secrets, évidemment. La maison est presque à son comble. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marilyn, bonsoir Quentin, vous m'entendez? Bonsoir. Bon, est-ce que vous avez salué Marilyn? Et ils se disent pas bonjour. Ah si, quand même. Ah, voilà. Bon, Marilyn, honneur aux dames, vous allez bien Marilyn? Bon, dites-moi, pour rentrer dans la maison, vous avez laissé vos deux enfants, qui sont d'ailleurs juste à côté de moi sur le plateau. Ils sont très mignons. Deux jolis bambins, un garçon et une fille, tout blond. Je pense que votre secret doit être très important pour laisser derrière vous sa famille. Il faudrait que Quentin passe le micro à Marilyn. Oui, c'est un secret très, très précieux. C'est un secret très précieux? Oui. Bon, on ne va pas en dire plus longtemps. Vous avez l'air un peu émue, Marilyn. Bien sûr, oui. Bon, écoutez, oui. Moi, je comprends ça très bien. Moi aussi, j'ai trois enfants, donc je comprends évidemment que vous ayez envie de faire un dernier coucou à vos deux enfants. Ils sont là, juste à côté. Ils vous voient, ils sont un peu intrigués, ils sont tout mignons. Bonsoir, Anastasia. Je ne sais pas s'ils comprennent bien ce qui se passe. C'est maman, mon cœur. En même temps, il est un peu tard, ils sont un peu fatigués. Ils sont un peu fatigués. Bon, l'avantage, Marilyn, c'est qu'ils vont vous suivre comme ça tout le temps. On va les mettre devant Internet, c'est un peu tôt, mais bon, c'est en même temps, c'est une façon comme une autre moderne de communiquer. Hein. De nos jours, ça se passe comme ça. Dites un petit mot à vos enfants, Marilyn. Anastasia, Vladimir. Anastasia, tu veux dire un mot à ta maman? Tu veux dire un mot à ta maman? C'est impressionnant un micro, hein. Bon, elle vous fait des gros bisous, elle me l'a dit. Je vous aime. Tu veux dire un mot à ta maman? Non plus, mais écoutez, à mon avis, c'est pas leur truc les micros, moi je comprends ça très bien, hein. Ils sont un peu jeunes. Bon, on va dire un petit mot à Quentin. Quentin, ça va? Bonsoir. Quentin? Ça va très bien. Bon. On a vu dans votre portrait que vous étiez très proche de la salle de bain. Hein, ça semble être votre meilleur ami, la salle de bain, non? Bah, il n'y a pas de passage. Enfin, je sors pas sans être passé par la salle de bain au moins une heure. Quoi, Une heure? Ah oui, quand même. Minimum. Alors, je vous rappelle que dans la maison, le chaud est rationné, qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la maison, que la salle de bain, elle n'est pas non plus énorme et qu'il faudra la partager. Donc une heure, ça risque de créer un peu le bazar quand même. Hein. Bah, y aura une organisation à avoir, mais je pense que ça va aller. Bon, Quentin, je vous laisse faire un petit bisou à votre papa et votre maman qui sont sur le plateau. Vous pouvez les embrasser. Allez-y. Bonsoir, maman. Est-ce que vous pouvez passer le micro à maman et à papa? C'est à côté de là, de vous, là. Alors, salut Quentin, tu es peut-être le plus petit de la bande, mais le plus costaud en mensonge, alors je te fais confiance. Ah, ça parle d'expérience pour la maman. Allez, bonne chance Quentin, Marilyn et Quentin, c'est le moment. Bisous. Le grand moment est arrivé, comme dirait l'autre, la vérité est au bout de la passerelle. C'est le moment d'y aller. Allez-y. Sophie va vous enlever vos micros, enfin, vos oreillettes. Alors je précise, c'est très important,
Ce sont les deux derniers candidats. Dernier au revoir pour Quentin et pour Marilyn. Et je vous rappelle que les prochains candidats à faire leur entrée dans la maison. Donc, je vous le disais, Quentin et Marilyn vont donc rentrer dans la maison tout à fait normalement, rejoindre Ouh tous les candidats qui sont déjà installés. En revanche, les trois prochains ne passeront pas par la maison. Ils iront directement dans la Crystal Room, ouais, sans passer par la case maison. Bah ouais. Et ils vont vivre une aventure parallèle. Ils vont être observés et observés. La voix leur expliquera toutes les modalités tout à l'heure. Avant cela, découvrons ensemble l'entrée de Marilyn et de Quentin. Ouais. Je me casse la boulette, moi. Salut. Ouais, je pose. Oh, pardon. Salut. Est-ce que vous êtes un couple? Oui, vous êtes un couple, frère et sœur. Bonsoir. Bonsoir. Alexandra. Quentin. Salut, Marilyn. Enchanté, Quentin, enchanté. Ouais, bonsoir, Marilyn. Bonsoir. Alexandra. Bonsoir, Quentin. Enchanté. J'ai pas retenu ton prénom. Laurent. Laurent. Je ne l'ai pas dit. Tu ne l'as pas donné, finalement. C'est... Marilyn. Marilyn. Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Quentin. Bonsoir, jolie blonde. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Bonsoir, allez, Quentin. Constant. Ah, Quentin. Marilyn. Bonsoir. Eh ben, il y a tout le monde qui s'en ensemble, déjà. C'est Mathias. On est venus à deux sur le truc. Allez, on s'y met. Voilà. C'est vous êtes en couple. Vous êtes en couple, vous connaissez pas. C'est pas anodin. Non. Marilyn, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas les premiers à arriver. Ada. Ah, d'accord. Il y a un couple qui arrive à deux. Ensuite, il y a deux personnes qui se connaissent pas et qui sont arrivées à deux. Donc, vous ne pouvez pas dire. On peut pas dire, non. Tu veux pas dire secret, il est effacé, non? Bah, enfin, vous vous connaissiez d'avant ou pas? Peut-être. Peut-être. Bon, bah, ouais. Ça veut dire oui. Ah bah ouais, non. De toute façon... Grillé. Peut-être, je sais pas. Ça veut dire oui. Bon, bref, voilà. Ça s'est bien passé? Ah bah ouais, et vous? Peut-être. Très bien aussi. Ouais. C'est marrant. Aussi. Alors, il faut que vous visitiez. Bah ouais, on va aller faire le tour. Ça m'a l'air. Vous avez déjà choisi vos lits, les filles? Non, c'est pas. Non. Ah oui, alors, il y a un mystère. On ne sait pas où sont les chambres. Il y a juste cette pièce. C'est les tapis, non. C'est les lits, en fait. Ouais, ça doit être ça. C'est... Ouais. Tu veux un verre d'eau? Oh, mon Dieu. Non. Oh, oh c'est comme moi, quoi. Attention. Ouais, merci. Ouais, c'est un peu... Allez, on va laisser Marilyn et Quentin découvrir leur nouveau lieu de vie. Qui peut-être sera le leur pendant 10 semaines. On va revenir sur notre couple, Samantha et Nathalie, pour savoir comment elles gèrent cette situation. On va retrouver Samantha qui doit être au confessionnal. Samantha, vous m'entendez? Bonjour Benjamin. Ça va bien Samantha? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Ouais. Bon, vous êtes rentrée dans la maison il y a quelques minutes maintenant. Comment ça se passe? Mais la maison est franchement magnifique. On a mis le paquet là. Hein. On sent, enfin voilà, le courant passe bien, donc maintenant on va voir quoi. Bon, et alors forcément, comment ça se passe avec votre fiancé? On garde un petit peu nos distances pour le moment. Oui. Alors, en même temps, vous avez un accent qu'on peut distinguer, un accent belge, qui pourrait vous trahir, puisque ça vous rapproche un petit peu. Quoique vous verrez qu'il y a un autre belge dans la maison. Ah, ça va alors. Ça va alors. Est-ce que vous avez mis au point une stratégie toutes les deux? Oui et non, on va se laisser un petit peu porter par la vague, je pense. Par la vague? Oui. Attention qu'elle ne vous noie pas, la vague. On sait que Nathalie est très, voire extrêmement jalouse. Oui. Comment vous pensez que ça va se passer? Est-ce que ça peut être un point faible dans votre stratégie? Oui, si je dépasse certaines limites, mais j'ai assez de respect pour ne pas les dépasser. Bon, très bien. On sait que ça fait 2 ans que vous ne vous êtes jamais quitté. Oui. Même pas un week-end, mais pas rien du tout. Voilà. Et là, forcément, ça va être plus compliqué. Oui. Hein? Ça va être compliqué, je pense. Pas se toucher, pas de petits bisous, pas dormir ensemble. Il va falloir revivre en célibataire, quelque part. Voilà, mais ça va peut-être nous rapprocher aussi, donc c'est pas plus mal. Hein. Et comment vous faites? Ça m'intéresse. Ben, je sais pas. À la sortie, on va retrouver des points qu'on avait peut-être un petit peu oubliés. On va se retrouver un peu plus. Ça va être agréable. Ça va être un plus dans votre couple. Voilà. Et bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, Samantha. Je vais vous laisser rejoindre vos colocataires, vos camarades. À bientôt, on vous fait plein de bisous et bonne chance. Merci, merci. Eh bien écoutez, tout ça me semble très bien parti. Comme dirait l'autre, la maillot prend plutôt bien. Tous les candidats
sont dans les maisons. En tous les cas, ceux qui doivent y être, évidemment, évidemment, personne ne se doute l'existence de la fameuse Crystal Room. Ni ceux qui sont rentrés dans la maison, ni ceux qui vont la découvrir. Ce sera la surprise du chef, ça risque d'être énorme. Avant d'accueillir les candidats de la Crystal Room, voici les derniers secrets qui vont compléter notre liste. Prenez des notes, c'est parti. Qui peut dire un jour, maintenant je suis grand ? Quand cesse-t-on d'être un enfant ? Qu'importe le nombre d'années, c'est une question de sens des responsabilités. Il faut être parent pour devenir grand, même quand on n'est encore qu'un enfant. Alors, quand j'étais petit, je n'étais pas grand, et je disais tous mes secrets à tous les passants. Quel secret peut bien se cacher derrière un enfant devenu trop grand ou rester un enfant, un grand enfant? Comment? Non, c'est pas ça. C'est un secret de taille, puisque écoutez bien, un habitant est ado ou presque et déjà parent. Ce candidat ou cette candidate, écoutez bien, a eu son premier enfant à l'âge des premières soirées, des sorties ciné, des premières amoureuses. Amoureutes, les fameuses amoureutes, les fameuses, les premières amourettes du bac de français, ou du bac même pour les plus en avance. Il a eu son enfant à l'âge de 17 ans. Il faut dire, comme dirait l'autre, qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais cette personne a eu, écoutez bien, un deuxième enfant peu de temps après. Bref, vous savez tout, sauf de qui il s'agit. Une dernière porte du couloir des secrets est encore restée fermée, close. Elle cache le dernier secret. Le voici, le voilà. Partir pour un long voyage au pays dont on ne revient pas, ça ne s'improvise pas. Il faut préparer avec soin son départ et inviter ses amis pour un au revoir. Et pour tout organiser, le transport et le trajet, un guide est essentiel. Alors, avez-vous trouvé ce secret ? Alors, un voyage, un grand voyage, des au revoir. Quel secret peut bien se cacher derrière ces nuages, ce ciel ? Ce voyage est organisé, mais il n'a pas de retour. À votre avis ? Le dernier secret est le suivant. Dans la maison est entré, écoutez bien, un croque-mort. C'est un métier, il en faut, évidemment. Évidemment, ce secret peut être porté par un garçon, par une fille. Il n'y a pas de sexisme dans ce métier, jeune, moins jeune. À vous de le découvrir. Ça y est, vous connaissez l'intégralité des secrets de Secret Story saison 2. Je vous les rappelle rapidement. Je suis un prêtre anglican. Je suis prince ou princesse. Je suis médium. Nous sommes un faux couple. Il s'agit d'Alice et de Mathias. Nous sommes mère et fille. Ce sont Maëva et Marie-France. Je vis avec une balle dans la tête. J'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse. Mon secret est tatoué sur mon dos. On sait de qui il s'agit. C'est Cyril, mais quel est son vrai secret ? Ça, mystère. Nous sommes en couple, c'est Nathalie et Samantha. Je suis ado et déjà parent, ça on ne sait pas qui c'est. Je suis croque-mort. L'enquête a déjà commencé et le grand moment est enfin arrivé. 12 candidats ont fait leur entrée dans la maison. Il nous reste les 3 derniers à accueillir. Comme ils pensent, évidemment, en rentrant dans la maison pour vivre une incroyable normale, finalement, ils vont être, à mon avis, un peu surpris puisque leur chemin va les amener directement derrière et devant une vitre, celle de la Crystal Room. Faisons connaissance avec le premier candidat de la Crystal Room qui, évidemment, ne sait absolument pas ce qu'il attend. Regardez. Bonjour, jeune homme. Présente-toi. Je m'appelle John David, j'ai 22 ans. J'habite à Paris. Alors mes potes, ils me surnomment la plupart du temps le connard. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a qu'un seul mot qui peut qualifier Caroline. C'est une bombe, hein, on peut le dire. On espère évidemment qu'elle ne va pas exploser en découvrant la Crystal Room.
Caroline sort de la voiture. On va rentrer en duplex avec elle. Une belle voiture rose. Puisque Caroline est une fille. Voilà, sortie de Caroline. Elle va rejoindre John David. Waouh! Magnifique. Elle va rejoindre John David dans le sas. Évidemment, elle ne se doute pas de ce qui l'attend. Allez-y, avancez. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir dans Secret Story. Merci. Est-ce que vous appréhendez d'entrer dans la maison? Oui, quand même un peu. Un peu quand même? Ouais. Bon, écoutez, ça va bien se passer. Okay. Comme je le répète depuis maintenant de nombreuses années, ce n'est que du bonheur. Oui, c'est vrai. Bon, allez, allez-y. Un petit mot à vos proches. Je les aime très fort et voilà. Et le public du studio vous encourage également. Je vais vous demander d'entrer dans le sas qui vous sépare de la maison et d'attendre patiemment qu'on vous donne un signal de départ. Allez-y, entrez. Sophie va vous déséquiper. Vous allez d'ailleurs voir que le sas n'est pas complètement vide. Il y a une surprise à l'intérieur. Allez-y. Voilà. Rencontre entre de John David et de Caroline dans le sas. On va les laisser un instant. John David. Alors, okay. Il faut connaissance. Hein. Ouais. C'est quoi le délire là? On est deux? Il y a un gros délire qui t'attend, John David. Je sais pas. Allez, comment John David et Caroline vont-ils réagir en découvrant la mystérieuse Crystal Room, grande nouveauté de cette année? Qui est le dernier candidat à les rejoindre et à compléter ce trio? Vous allez tout savoir et ce sera juste après Caroline. La pub. Ne ratez pas ce grand moment. À tout de suite. Précédemment dans Secret Story, des secrets ont été révélés. Il y a un prêtre, un prince ou une princesse, un faux couple, Alice et Mathias, une mère et une fille, Marie-France et Maëva, une personne qui vit avec une balle dans la tête et une autre qui a 780 conquêtes à son actif. Il y a aussi un vrai couple, Samantha et Nathalie, qui doivent faire croire qu'elles ne se connaissent pas. Ah, il y a quelqu'un d'autre! Ça y est, Sam. Bonsoir. Moi, c'est Sam. Nathalie. Ça va être compliqué, je pense. Un secret est tatoué dans le dos de Cyril. Avez-vous réussi à le décoder? De leur côté, John David et Caroline s'apprêtent à entrer dans la Crystal Room. Comment vont-ils réagir? C'est quoi le délire? On est deux? Eh ben, c'est la fête. Je sais pas. Mais attention, une troisième personne va les rejoindre dans cette pièce un peu spéciale. De qui s'agit-il? Motus et bouche cousue. Les réponses tout de suite dans la dernière partie de Secret Story. C'est la dernière partie de Secret Story. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Ça y est, on connaît toute la liste des secrets. On connaît presque tous les candidats. Et il n'en manque plus qu'un. Dès que nous l'aurons découvert, John David, Caroline pourront faire leur entrée dans la maison. Enfin, pas vraiment, hein, puisque je vous rappelle qu'ils vont passer directement par la case Crystal Room. Bon, je vous rappelle quand même, et c'est important, que ces trois candidats ont été tirés au sort pour faire ce petit passage dans la grande nouveauté cette année, à savoir la Crystal Room. On ne va pas les faire patienter plus longtemps. Foi de Benjamin Castaldi, en 7 ans de télé-réalité en France. 7 ans de programme, 7 ans de candidats. Franchement, croyez-moi, on n'a jamais rencontré une personne comme elle. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, let me introduce to you Isabelle. Bonjour, nouvelle candidate, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Isabelle, je viens de Belgique, à Namur, j'ai 27 ans. J'espère que c'est bien enregistré dans votre petite cervelle, monsieur Lavoie. Attention, Isabelle, à respecter Lavoie. Parle plutôt de toi. Mon modèle, c'est Pamela Anderson. Pour moi, c'est vraiment la femme idéale. J'adorerais lui ressembler. Pour ressembler à Pamela Anderson, je me suis déjà fait refaire la poitrine 2 fois. Ça a été d'ailleurs le plus beau jour de ma vie. Comment as-tu grandi, Isabelle? Je viens d'une famille modeste. Mes parents sont divorcés depuis que je suis toute petite. J'ai 6 frères et sœurs. Je n'ai pas d'enfants et je n'en veux pas.
ça ramollit les fesses, ça donne des vergetures, et puis en plus, après, on a du ventre, et puis après, pour faire ça, bonjour, le secret, c'est déjà dur, alors en plus, des enfants qui viennent s'initier là-dedans, non, c'est pas possible. Quel est ton style d'homme, Isabelle? Oh, pour moi, l'homme parfait que je trouve super, c'est Benoît Poulvord. Benoît, je t'aime. Je t'adore. Benoît, je t'aime. Bon, j'espère que vous avez compris le message. Hein. C'est clair et net, ce sera Motus et Bouscousu. Mais quel secret peut bien cacher l'incroyable Isabelle? On a évidemment hâte de le découvrir. Isabelle arrive dans cette belle voiture rose qui lui va à ravir. Elle va en sortir dans quelques instants et rejoindre donc John David. Isabelle donc fait son... Ah, j'ai pas vu le tatouage. Tiens. Elle a un soleil sur la poitrine. Elle a un beau soleil sur la poitrine. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Oh là là, vous êtes allé trop loin Isabelle, on vous a perdu, ça commence. Isabelle, il faut reculer un petit peu Isabelle. Comment ça va Isabelle? Ça va. Ça va bien? Ouais. Bon, on vient de découvrir votre portrait en image, sacrée personnalité. Ouais. Hein? Est-ce que vous diriez que c'est grâce à votre secret, cette fameuse personnalité? Oui, je pense. D'accord. À votre avis, comment les gens vont réagir lorsqu'ils vont découvrir votre secret? Je crois qu'ils vont tomber de haut. Ils vont tomber de haut. Oui. Bon, dites-moi Isabelle, alors j'étais quand même un peu bouleversé quand même, parce que en travaillant sur l'émission, donc en découvrant un petit peu qui vous êtes, j'ai vu et j'ai appris, on l'a montré dans le reportage, que l'homme de votre vie s'appelle Benoît Poulvord. Et moi alors? Non. Je sais pas votre style. Pas du tout. Même si je vous dis, et regardez-moi bien dans les yeux, Motus et Bouscousu. Motus et Bouscousu. Bon, merci Isabelle. Je vous laisse rejoindre le SAS pour faire votre entrée dans la maison. Ouais. Hein? Vous allez bien rester dans le SAS. Vous allez voir, il y a déjà deux personnes qui s'y trouvent. Ouais. Vous allez faire leur connaissance. Bonne chance à vous pour l'aventure. Ok. Hein? Et si je croise Pamela, je l'embrasse pour vous. Ok. Ok, je la connais bien, vous savez. Ah. C'est une amie. Ouais, ouais. Je vous jure. Ouais, ouais, c'est bon. Allez. Allez, juste avant, Isabelle rentre dans le... Va rentrer dans le SAS. Hein, elle m'a quand même mis un sacré pour Isabelle. Hein. Hello. Ça va? Ouais, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Isabelle. John David. Serre la main. Caroline, enchantée. Bon, c'est bon. Ça va? Ouais. Je suis stressée. C'est pas rien, hein? Sympathique. Voilà. T'as pris les dernières en plus. T'es la dernière, toi. Pardon? T'es la dernière. Ouais. T'as attendu toute ta vie dans la loge. Ouais. C'est dur, hein? Ouais, c'est chiant, quoi. Ouais, je pouvais plus. T'es ta marraine avec? Pardon? Ta marraine était avec toi? Oui. Jusqu'au bout, quoi? Non. Non? Non. Ta marraine est partie à 19h. Ça y est, vous connaissez tous les habitants de la maison. John David, Caroline et Isabelle sont les trois derniers à entrer. Pour eux, Isabelle. L'aventure va commencer avec un petit goût d'étroitesse puisqu'ils vont passer quelques jours dans la Crystal Room. On va suivre cette découverte ensemble. En fait, je veux bien, mais je capte rien. Tiens, voilà. Voilà Sophie qui va les accompagner. On va rester connectés avec eux. Ils sont dans le SAS. Ils étaient sur le point d'entrer dans la maison, mais pas de chance. Ils vont passer par ce qu'on appelle, dans notre jargon, le run. L'endroit où se placent les caméras, ce qui vous permet de suivre d'ailleurs toute l'aventure. Sur le canal 24 qui se trouve sur Internet d'ailleurs. Sur le site tf1.fr si vous voulez suivre l'aventure qui a déjà commencé. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter. Ils suivent donc ce long couloir. En tête, Isabelle, suivie de Caroline et John David. Ils vont avancer. D'ailleurs, on peut rendre hommage à nos amis cadreurs qui passent de nombreuses heures dans ce run pour vous retransmettre toutes ces images. Ah.
Ils sont à quelques mètres de la Crystal Room. Ils vont faire leur entrée dans cette pièce, cette nouveauté de cette année. Et donc, bien sûr, non seulement ils vont découvrir la Crystal Room, mais les autres candidats vont découvrir qu'ils sont placés dans cette pièce. Il va y avoir un double jeu d'observation, mais chacun d'un côté de la vitre, totalement isolé audiophoniquement parlant. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas communiquer directement. Vous m'avez compris. Et voilà, ça y est. On est passé d'un sourire radieux à un sourire crispé. Ouais. Là, ils sont juste devant la Crystal Room. Hein. La voix va leur expliquer. Bienvenue dans la Crystal Room. Ça y est, ils ouvrent la porte, ils rentrent. Et là, c'est le drame. Faut rentrer maintenant. Allez-y. Ça a changé. Quoi là. Là, tu vois pas? Ah oui, ils sont dedans, ouais. Il y a des gens dedans. Il y a des livres, ah, il y a des gens. Hé hey. Oh, mais... Ah, non. Oh, non. Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Eh, mais eux, ils ont des chambres, mais on n'a pas de chambres. Ah, bah... Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? On va aller voir dormir et tout. Attends, les pauvres, attends. Est-ce que vous nous entendez? Non. Non, je pense pas. Entre vous, le mec, il est royal, quoi. Non, je sais, ils connaissent... Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Quand tu captais le secret des deux. Tu sentais pas? N'empêche que c'est l'autre qui prend la place en fait. Ouais, mais faut trouver le secret aussi. Moi je vais pas passer ma vie. Comme ça. Eh ben, ils doivent faire comme si on était pas là. Du plomb, hein. Les pauvres, être là, regardez là. Ça va, on couvre un champagne alors. Quoi? Caroline, Isabelle, John David, bienvenue dans la Crystal Room. Oh. La voix a décidé de vous confier une mission. Ah, déjà? Sortir de la Crystal Room pour intégrer la maison. Ça serait pas mal. Le seul moyen de quitter cet endroit et d'être choisi par la majorité de vos camarades. Oh. À vous de savoir vous faire apprécier. Oh là là ! La voix vous informera quand aura lieu la première sortie. Caroline, Isabelle, John David, celui qui rejoindra la maison en premier, Caroline, remportera une immunité pour les prochaines nominations. Ah. C'est tout. Pour le moment. J'ai pas compris. Mais en fait... Ok, donc vous choisissez. Oh non. Qui sort, qui vient nous rejoindre et il aura une immunité. Et les deux autres, ils font quoi? Et les deux autres, ils attendent après qu'on les choisisse. Les filles, on nous, on va pour lui. Qu'est-ce qu'il décide? Garçon. C'est la moi. Vous avez 3 semaines pour vous faire aimer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'on nous sème? Pour nous aimer. T'entends rien? Je sais pas si vous imaginez le truc. J'ai entendu, oui. J'ai entendu. Oui. Un petit peu. Un petit peu. On n'a pas de chambre. Non. Mais on sait pas où elles sont. Mais eux, ils ont qu'une chambre. Vous êtes comme ça. Vous êtes mieux de rester, vous avez des lits. Ouais, vous bah, moi, je préfère dormir ici. Voilà, pour John David, Caroline et Isabelle, il va falloir tenir dans cette pièce. Plutôt exigu, ne pas craquer. Et se faire apprécier pour pouvoir en sortir le plus vite avec, je vous le rappelle, une immunité à la clé. Ça y est, vous connaissez non seulement tous les habitants, mais également la liste des secrets. On va se la récapituler ensemble. Alors, dans la maison, les secrets sont... 1. Un prêtre anglican. 2. Un prince ou une princesse. 3. Un médium ou une médium. 4. Nous sommes un faux couple, ça on les connaît. 5. Nous sommes mère et fille. 6. Je vis avec une balle dans la tête. 7. J'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse. 8. Mon secret est tatoué dans mon dos. Ça c'est Cyril, on a vu l'image d'ailleurs de son tatouage. Je ne sais pas si on va la voir maintenant.
9, nous sommes en couple. 10, je suis ado et déjà parent. Et enfin, 11, je suis croque-mort. Métier qu'on peut pratiquer au masculin ou au féminin, je vous le rappelle. Ils sont 12. Ils sont 12 enfermés dans la maison maintenant. On connaît tout par cœur, les secrets, les candidats. Vous pensez peut-être tout connaître du tableau, je dirais, général de Secret Story. Vous pensez avoir toutes les cartes en main. Vous pensez être prêt à mener l'enquête. Eh bien, je vous l'ai souvent dit dans Secret Story, il faut toujours se méfier des apparences, la preuve. Ici la voix. Bonjour, candidat mystère. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle... J'ai 30 ans et j'habite à... Est-ce que tu as hâte de rentrer dans la maison des secrets ? Oui, bien sûr, mais chaque chose en son temps. As-tu déjà pensé à une stratégie dans le jeu ? Bien sûr, j'ai réfléchi, mais ce n'est pas ce soir que je vais vous en parler. Peut-être une prochaine fois. À très bientôt. C'est tout pour le moment. Voilà pour ce bouleversement dès la semaine prochaine. La vie de la maison va être chamboulée par l'arrivée d'un nouvel habitant. Qui est-il ? Quel est son secret ? Et surtout, que vient-il faire dans cette maison, dans cette histoire ? Nous le saurons bien sûr vendredi prochain à 22h30. Tout de suite, on va se connecter avec la Crystal Room pour recueillir les premières impressions des trois habitants. Bonsoir Caroline, Isabelle et Jodamine, comment ça se passe ? Allô ? Il est alcoolique. Vous m'entendez dans la Crystal Room ? Oui. Bon, comment ça se passe ? Mal. Ça se passe bien, non ? Non. Et on vous a gâté quand même. Oui, bah oui. Vous avez trois lits, vous avez des petits fours, des boissons. Une belle vitre qu'il faudra bien entretenir, bien nettoyer tous les jours hein, pour qu'on voit bien au travers. Ah. On va vous donner des chiffons et tout et tout. C'est sympa. Et puis l'avantage, vous allez avoir un poste d'observation très important. C'est ça. Eux aussi, hein. C'est ça. Ah, mais eux, ils ont le même que nous. C'est ça, hein. Ah, oui. Mais pendant combien de temps ? Eh bien écoutez, ça je ne sais pas, c'est la voix. C'est la voix qui va en décider. Vous savez que c'est la voix, la maître des lieux. Enfin, le maître des lieux. Enfin, la maîtresse des lieux, en fait. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Bref, c'est lui qui commande. Écoutez, on vous souhaite bon courage. Hein. Merci. Il va en falloir, mais vous êtes déjà très beau comme ça dans la vitrine. C'est on cool. dirait des mannequins. On dirait. Des mannequins en vrai. Allez, à la clé de cette première mission, il y aura en plus une immunité. Et rien que pour ça, croyez-moi, ça vaut le coup de vous faire apprécier les autres camarades. Jouez vos meilleurs atouts et bon courage. Allez, en attendant, rendez-vous dans une heure, bah même pas, on a rendez-vous vers 1h du matin pour découvrir comment les habitants vivent leur première soirée, comment se passe et comment ça se passe dans la Crystal Room. Nous partirons aussi bien sûr à la recherche des chambres, car vous l'avez sans doute remarqué, on ne les a pas encore vues. Où se cachent-elles ? Comment ça va se passer ? Quelle va être la répartition des lits ? Bref, autant de choses qui nous attendent dans Secret Story. Et puis je vous rappelle qu'un candidat fera son entrée la semaine prochaine dans Secret Story. Évidemment, cette rentrée fera et créera un bouleversement dans la maison. Un petit message, je voulais souhaiter la bienvenue à Bianca et embrasser Fabienne bien fort. Voilà, vous savez tout, ou presque, dans Secret Story. On se retrouve vers 1h du matin pour la suite. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Carole Rousseau avec C'est quoi l'amour. Rendez-vous demain, évidemment, pour la première quotidienne à 18h10. Merci à toutes les équipes techniques. Merci aux équipes d'Endemol. Merci à tous mes copains qui sont venus me soutenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un bonheur pour moi. De toute façon, ça n'est que du bonheur cette émission. Excellente soirée sur TF1. À tout à l'heure, vers 1h du matin. Ciao. C'est tout pour le moment. Oh là là. Tous des nouveaux amis. Tu t'appelles comment ? Les prénoms. Bienvenue à Secret Story 2. Alexia, ils peuvent pas parler. Alexandra ? Caroline. Caroline. Non. Laurent. Marilyn. Laurent. Okay. Et toi? Maëva. Maëva. Marie. Marie. D'accord. Et... Tu comprends pas ce qu'elle raconte? Cyril.
Cadet.